Monsieur, bonsoir. L'invité que nous allons recevoir ce soir est unanimement reconnu par ses pairs comme étant l'un des tout meilleurs dans son domaine. Professeur agrégé des facultés françaises de droit public, formé en Hexagone dans les années 80, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, avocat au barreau de Paris. Le professeur Maurice Kamto n'est pas une figure inconnue de l'espace académique, politique et médiatique du Cameroun. Il a fait partie de l'équipe qui a victorieusement remporté l'aspect juridique du conflit qui a opposé le Cameroun et le Nigeria au sujet du contrôle de la souveraineté de la presqu'île de Bakassi il y a quelques années. Peut-être que sa nomination au poste de ministre délégué auprès du vice-premier ministre chargé de la justice le 8 décembre 2004 présidait donc de la volonté du pouvoir de lui exprimer quelconque reconnaissance pour le travail qui a été abattu. Ce soir, il est dans ce studio, il va nous dire certainement ce qu'il en est, selon lui. Toujours est-il qu'à la surprise générale, en novembre 2011, il décide de démissionner du gouvernement pour faire ses premiers pas officiels, je dis bien officiels, dans l'opposition, à la tête d'une formation politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Alors, ce parti politique qui a donc pris part récemment au double scrutin législatif et municipal, réussissant à remporter au moins un siège de député à l'Assemblée nationale. On va rappeler que sur le plan académique, le professeur Maurice Kamto a été successivement professeur aux universités de Yaoundé, Ngaoundéré, Yaoundé 2 aussi, professeur à l'Institut de Relations internationales, l'IRIC, à l'École nationale d'administration, et d'administration, donc l'ENAM, professeur invité dans plusieurs universités européennes, américaines, africaines, membre du jury du concours d'entrée de plusieurs institutions. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un des plus célèbres est L'urgence de la pensée, réflexion sur une précondition du développement en Afrique, un ouvrage de 210 pages publié en 1993 aux éditions Mandara. Par lequel l'auteur veut montrer que l'absence de pensée libérée est la première cause de la dérive collective en Afrique. Alors, le 26 avril dernier, il est devenu président de la commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies, dans laquelle il est chargé donc de la préparation des articles du droit international pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Professeur, j'espère que je n'ai pas j'ai oublié quelque chose ou j'ai omis j'ai Je crois que ce que vous avez dit, c'est assez, il me semble-t-il. Mais bonsoir. On aurait pu en dire plus, mais je crois que c'est assez. C'est suffisant pour l'instant. C'est Hein. suffisant. Alors, bon, on espère que le jeu de questions-réponses, ça va se passer de manière tout à fait facile pour vous. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'internautes, beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. Je vais essayer, bien sûr, de pouvoir retransmettre leurs questions par le biais de cette interview-ci, qui va être interactive aussi. Hein. Très bien. On essaiera d'y répondre. Tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez président de la commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit de quoi? Merci de m'accueillir sur votre plateau. La commission du droit international des Nations Unies est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, créée en 1947 par les États membres de l'Organisation des Nations Unies, composé de 34 juristes que l'on considère comme les plus éminents des différentes civilisations juridiques du monde, puisque on y retrouve en particulier des ressortissants des 5 États membres permanents du Conseil de sécurité et d'autres régions du monde d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. Du Comment se Nord et passe d'Amérique du cette Sud. cooptation? C'est une Il s'agit élection. d'une élection qui est faite à l'Assemblée générale des Nations Unies par l'ensemble des États membres de l'Assemblée générale. Et qui propose les juristes en question? Les juristes sont proposés par les États et l'élection se fait également par les États à l'Assemblée générale des Nations Non, c'est Unies. le Cameroun qui a proposé, par exemple, C'est le votre Cameroun qui a candidature. proposé ma candidature, bien entendu. C'était en quelle année, là? Je suis entré d'abord par cooptation parce qu'il y a deux possibilités d'accès à la Commission du droit international. On peut y accéder. La voie classique régulière, c'est l'élection par les États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Mais s'il arrive qu'un membre de la commission soit dans l'incapacité ou l'impossibilité d'exercer la totalité de son mandat, donc pour une raison ou pour une autre, interrompt son mandat en cours, ce n'est plus l'Assemblée générale, mais les membres de la commission du droit international qui cooptent un juriste. Et là, ce n'est plus une présentation qui est, à vrai dire, déterminée par les États. Ce sont les collègues de l'Assemblée générale qui, de par les informations et la connaissance qu'ils ont de tel ou tel juriste, estiment qu'ils peuvent faire partie du Sénat. Ça a été votre cas. Et ça a été mon cas en 1999. Combien d'Africains dans le groupe des 37, hein? 34. 34, excusez-moi. Il y a 8 Africains. 8 Africains. Alors, on va passer au vif du sujet, hein. Je rappelle que vous aurez 60 ans le 15 février prochain. Exact. Je vous adresse déjà mes félicitations, hein, pour votre anniversaire avec un peu d'anticipation. Vous êtes un homme comblé en plus, puisque vous venez de marier votre fille récemment à Yaoundé. On va voir la photo quand même. Ah. Vous étiez surpris de... Ah, mais voilà, c'est oui, vous, on vous voit très heureux sur la photo. De... On le serait à moins. Donc c'est un moment, me semble-t-il, assez particulier pour chaque parent. Et comme vous le disiez, c'est ma fille aînée. Et c'est une joie particulière de voir que l'éducation qu'elle a pu recevoir l'a aidée, a accompagnée sur son chemin, qu'elle rencontre quelqu'un et qu'ils décident de faire leur vie ensemble. C'est une joie réelle. Je m'excuse d'avoir piqué entre guillemets votre photo. Hein, photo. Je sais que vous ne serez pas au courant, mais ce n'est pas grave. Oui, je n'étais pas du tout. C'est mon métier. Vous êtes donné un 15 février, deux jours seulement après le président de la République, Paul Biya, votre ancien patron, qui lui est né le 13 février 1933. Donc là, il va entrer dans sa 81e année. C'est bien cela. Voilà, c'est bien ça, 81e année. On va dire que 21 ans vous séparent. Vu son âge, il aurait même pu être votre père. Alors, si vous devriez lui adresser un message pour le jour de la célébration de son 81e anniversaire, le 13 février, qu'est-ce que vous lui direz? Tout le respect que j'ai pour cet âge vénérable pour la vivacité d'esprit dont il continue de faire preuve, et même physique. Et donc, c'est une grâce. On ne peut qu'être admiratif devant cela. Et donc, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Vous ne souhaitez pas d'aller en retraite aussi, de prendre une retraite bien méritée, après 50 ans de service? Il ne m'appartient pas de décider qui va en retraite et quand. Lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire, on en connaît la date exacte, puisque les textes de la République fixent la date de départ à la retraite pour chaque fonctionnaire. Lorsqu'il s'agit d'un homme politique, seul le peuple camerounais peut décider de sa mise à la retraite. Donc il ne m'appartient pas d'en décider. S'il estime qu'il a encore des choses à donner au Cameroun, et que le peuple camerounais continue de lui maintenir sa confiance, alors je ne peux que m'incliner devant la volonté du peuple camerounais. On pourrait penser effectivement qu'après une si longue et brillante carrière politique et administrative, il puisse penser à prendre un peu de repos, mais la décision lui appartient une fois de plus. Vous pensez qu'à cet âge-là, on peut véritablement conduire son pays vers l'émergence? Ce sont les faits qui peuvent nous permettre de répondre à cette question. Est-ce que les données économiques de la nation aujourd'hui permettent de dire que il y a encore l'élan, le souffle? La flamme que nous autres, nous avons perçue en 1982 chez cet homme qui était porteur d'un bel idéal et qui nous a enchantés. J'ai été parmi les tout premiers à écrire un article en 1985 qui était intitulé, 84 d'ailleurs, 84, qui était intitulé « N'enchaînons pas Prométhée et que le journal Le Messager publiera sous le titre « N'enchaînons pas Paul Biya », qui était au fond ma manière de rendre hommage à la vision qu'il avait en termes de démocratisation du pays, mais également d'essor et de développement économique. Mais la suite montre que probablement pour diverses raisons il a changé de trajectoire, ou en tout cas que cet élan ne s'est pas confirmé. La flamme, pour une raison ou pour une autre, n'est pas restée vivace. Et donc on est bien obligé aujourd'hui de constater que
peut-être le ressort n'est plus là. Il peut avoir le désir profond de continuer à donner à son pays, mais est-ce que justement le ressort est encore là? C'est encore à lui. Mais le peuple camerounais peut, sur la base de faits indiscutables, tirer lui-même la conclusion, et lorsque il a la possibilité de se prononcer, de dire effectivement s'il peut continuer à faire ce travail ou pas. On va revenir un peu sur votre parcours familial. Vous êtes né à Bafoussam. Parlez-nous un peu de vos parents. Que faisaient-ils dans la vie? Mon père était un commerçant. Sur sa carte d'identité était porté marchand d'huile. En réalité, mon père achetait de l'huile au Nigeria, comme un certain nombre de ses amis et camarades de l'époque. Ils allaient en réalité par toutes sortes de moyens de communication jusque dans le sud-ouest, à Kumba. Ils allaient, il y avait sans doute des partenaires d'affaires qui étaient notamment dans l'état de Cross River, puisqu'il nous parlait assez souvent de Calabar. Et donc il était marchand d'huile. Au départ, c'était un grossiste. Puis par la suite, je pense que vers la fin de sa vie, pour diverses raisons, ses affaires n'ont pas été aussi florissantes que nous l'avions connues au début. Et donc voilà pour ce qui concerne mon père. Votre mère, oui. Ma mère était ménagère. Ménagère, hein, une famille nombreuse? Non, nous sommes quatre. Quatre, alors, monogame et quatre enfants. Vos premières études, on va dire primaire, secondaire, vous les avez effectuées à l'Ouest? Je les ai effectuées à l'Ouest. À l'école primaire, c'est à l'école catholique Saint-Joseph de Bafoussam, à Balin, où je suis né. Et tout mon cycle primaire, avec un détour, à Baham, chez ma grand-mère. Puis je reviens ensuite au CM2, à l'école Saint-Joseph à Balin. J'y poursuis mes études primaire jusqu'au CEPE, comme on disait à l'époque, et le concours d'entrée en 6e, où je suis admis au collège Saint-Thomas de Bafoussam. J'ai eu, pour professeur, j'en ai gardé un attachement particulier, une affection. Je n'ai pas toujours eu l'occasion de lui témoigner cette affection, mais feu Monseigneur Wooking, de regretter mémoire, paix à son âme, que j'ai eu comme professeur, et un autre que j'ai eu comme professeur de latin à l'époque, avant, mais pour des raisons vraiment de snobisme d'enfant de l'époque, j'ai fait ensuite le concours d'entrée au lycée, parce que j'étais très bien au collège Saint-Thomas, mais comme la plupart de mes camarades allaient au lycée, et on était fiers d'arborer la tenue du lycée. Toujours à Bafoussam. Oui, le lycée classique de Bafoussam, jusqu'en classe de troisième. Oui. Jusqu'en classe de seconde, pardon, et je viendrai à Douala pour faire la classe de première et de terminale au lycée Joss de Douala. Vous en êtes en quelle année quand vous faites la terminale au lycée Joss? Alors, j'ai eu le bac en 1975-76, si je me trompe. 75-76? Oui, je crois. C'est relativement tard, parce que vous avez 20 ans. Parce que, oui, pour une raison simple, c'est que lorsque je suis allé faire ce séjour chez ma grand-mère, on m'a rétrogradé de deux classes, parce que ma main droite n'arrivait pas à mon oreille gauche, qui était à l'époque la mesure pour déterminer quel âge vous aviez. Et donc on estimait que j'étais trop jeune pour la classe. On m'a retrouvé deux classes parce que ma main n'arrivait pas à mon oreille gauche, et j'ai donc repris ces deux classes pour retrouver le cycle normal par la suite. Alors, est-ce qu'au moment où vous obtenez votre baccalauréat, est-ce que vous obtenez une bourse pour aller à l'étranger? Vous n'avez pas un désir d'aller à l'étranger? Après le baccalauréat, oui. Bien entendu, je suis allé à l'étranger, mais sur les moyens de ma famille, je n'ai jamais obtenu... C'est-à-dire que vous n'avez pas fait l'université de Yaoundé, ici? Si, après le baccalauréat, oui, pardon. Non, 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 j'avais aucun désir d'aller à l'étranger. Notre grand rêve, c'était d'aller à l'université de Yaoundé, à l'époque, grande université, avec des professeurs de référence extraordinaires, excellents. Il n'y avait aucune raison d'aller voir ailleurs. Donc, c'est tout naturellement que je me suis inscrit à la faculté de droit. Est-ce que vous souhaitiez faire le droit? Absolument. Vous avez toujours voulu faire le droit? Toujours voulu faire le droit. Au fond, je voulais être avocat à l'origine. Vous l'avez été finalement, oui. Oui, je l'ai été finalement par le détour du professorat. Mais en fait, j'ai contracté le virus de l'enseignement une fois que je suis entré à l'université. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants remarquables, aussi bien en droit public qu'en droit privé, que ce soit
feu Stanislas Mélonet, ou en droit public, le professeur Joseph Ohona, donc qui, au fond, m'ont instillé justement le virus et ce désir de devenir enseignant. Alors, que pensez-vous du régime du président Ahidjo lorsque vous étiez jeune étudiant à l'université de Yaoundé? Il y avait une seule université en plus. Hein. Absolument. C'était un régime extrêmement dur. Je crois que personne de ceux qui ont vécu à l'époque ne peut dire le contraire. Il était extrêmement dur. Je vais vous signaler, c'est peut-être anecdotique, mais c'est assez illustratif de la nature du régime de l'époque. Alors que je suis élève au lycée Georges de Douala, je retourne à Bafoussam pour passer les vacances scolaires avec mes parents et je suis en classe de première. J'avais à ce moment-là, je crois, 18-19 ans. Je rentre des vacances et j'arrive à Manjo. J'avais ma carte d'identité scolaire, bien entendu. Et il y a le contrôle à l'époque, le contrôle de laisser-passer, parce que pour aller de l'ouest dans le littoral, il fallait avoir un laisser-passer à l'époque. Et donc, seulement moi, j'avais pas ce laisser-passer. Je pensais que les élèves en étaient dispensés, donc je ne l'avais pas demandé en partant. Et le gendarme fait le tour du cas en disant, bon, ceux qui n'ont pas de laisser-passer, qu'ils descendent. Franchement, je croyais que c'était une plaisanterie. Et je suis resté à ma place, bien entendu. Et il procède au contrôle, et arrivant sur moi, il constate effectivement que je n'ai pas de laisser-passer, il me fait descendre, et je descends. Mais jusque-là, je pense que c'était un mauvais quart d'heure, et que ça va passer rapidement, qu'on me remettra dans le car pour poursuivre le voyage. Je vais vite déchanter parce qu'il va demander au motorboy de descendre nos bagages, ce qui a été fait. Et donc nous avons été enfermés à la cellule de la gendarmerie de Manjo pendant 48 heures. 48 heures. Pendant 48 heures. Et je n'en sortirai que parce que j'ai un oncle qui était fonctionnaire des PTT ici même à Douala. Et parce que je vivais avec lui à la cité SIC Bassa. Et donc, que faire? Il n'y avait pas de téléphone portable. Encore même, le téléphone filaire n'était pas courant. Vous reconnaissez aussi que c'était une période qui était quand même troublée. On sortait, ou bien on était en pleine période pour le régime de Yaoundé, de lutte contre les nationalistes. Bien entendu. L'UPC. Oui. C'était une période quand même extraordinaire, avec des têtes colonnes exposées. Vous en avez vu d'ailleurs Bah oui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer de sa mémoire, parce que l'exécution d'Ernest Ouandi, je l'ai vu en direct à Bafoussam, j'étais encore au lycée. Le 15 septembre 71. Voilà, j'étais encore au lycée classique de Bafoussam. Le 15 janvier plutôt. Oui, au lycée classique de Bafoussam à cette époque-là. Mais avant son exécution et celle d'autres comme Fosin, Wambo Le Courant et Fossin, je crois, Jean-Baptiste Fossin, je ne sais plus, en tout cas il y avait un Fossin, et j'avais vu, et les enfants de ma génération, les gens de ma génération avaient vu plusieurs têtes à ce qu'on appelle peut-être encore aujourd'hui le Carrefour Marquisard, donc des gens qui étaient décapités, parfois avec une cigarette qu'on avait enfoncée dans la bouche, sans doute pour faire peur, dissuader les gens. Je ne sais pas si c'était assez efficace, mais toujours est-il qu'on a vu ces atrocités-là. Et donc, c'est pour revenir à l'anecdote, mais je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, c'est par le biais d'un message télégraphe qui va aller à Nkonsamba, puis de Nkonsamba à Douala, que mon oncle viendra me chercher avec tous mes effets scolaires, ma tenue et tout le reste. Vous prouvez que vous êtes un élève. Effectivement, un élève. Dans une de vos lettres adressées aux Camerounais, vous avez écrit ce qui suit, j'ouvre les guillemets. En 1979, l'année terminale de mes études de droit à l'université de Yaoundé, fut engagée une réforme des programmes et de la durée des études qui ramenait la licence de 4 à 3 ans en faculté des sciences et en faculté de lettres et sciences humaines, mais la maintint à 4 ans en faculté de droit et des sciences économiques. Tout à fait. Celle-ci se souleva dans la faculté contre cette discrimination, d'autant plus vivement ressentie qu'elle n'avait guère été expliquée. Les étudiants de cette faculté-là me portèrent à la tête du mouvement de grève. On était alors sous la férule d'un pouvoir autocratique. Je fis de mon mieux pour porter la voix de mes camarades et au final,
nous eûmes gain de cause. Vous êtes donc un rebelle depuis au moins 79, professeur Kamto. Ce n'est pas exactement ce que je dirais. Je suis très sensible à l'injustice. Voilà, je dirais cela de cette façon-là. Et au fond, cette grève, les étudiants de la faculté de droit étaient fondés à la faire. Parce que non seulement on n'avait pas expliqué la réforme, mais en plus il n'y avait aucune raison pour que la licence passe à 3 ans dans les 3 autres facultés de l'université, les deux ou les 3 autres, c'est-à-dire, oui, dans les 2 autres facultés de l'université de Yaoundé et de l'IPOM, c'est-à-dire la faculté des lettres et des sciences humaines et la faculté des sciences, et que en faculté de droit et de sciences économiques, puisque ça s'appelait encore comme cela à l'époque, les 2 facultés n'en faisaient qu'une, on maintienne les études à 4 ans, d'autant plus que un étudiant diplômé d'une licence en lettres en 3 ans pouvait se présenter au même concours qu'un étudiant diplômé d'une licence en droit ou en sciences économiques de 4 ans. Et donc, nous avons pensé que c'était une injustice. Mais nous avons porté ce message, nous avons porté ce combat, pas pour nous-mêmes, parce que le résultat n'allait pas nous profiter, puisqu'on ne pouvait pas appliquer de façon rétroactive la réforme à des étudiants qui étaient déjà en 4e année. Nous pensions que nos jeunes camarades, nos petits frères des années des premières, 2e et 3e années qui arrivaient, devaient effectivement bénéficier du même régime de réforme. Je dois reconnaître, et pour lui rendre, j'allais dire, l'hommage mérité, qu'à l'époque, le docteur Adamou Ndamjoa était ministre de l'Éducation nationale. La grève est déclenchée en son absence. Et quand il revient, il nous reçoit. Alors même que nous avions été... on a cherché à nous traumatiser en nous baladant dans tous les services de sécurité de Yaoundé. On était reçus par les officiers à la présidence de la République, par le gouverneur, entouré de tout. On vous a menacé ? Ben oui, pour le moins. Et donc quand il rentre, il nous reçoit et il nous dit... Parce que quand nous exposons clairement notre cause, il dit on va faire le nécessaire pour rétablir la justice, et il le fera avant le départ en vacances vers le mois de juillet. Donc finalement vous avez eu gain de cause. Oui. Bon, quelques temps après vous, vous partez pour la France. Je vais rapidement rappeler votre parcours dans ce pays-là. En 1980 vous obtenez donc un diplôme d'études approfondies de droit public fondamental et un diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de Nice. En 1982, diplômé de l'Institut d'administration publique de Paris, il mentionne très bien. En 1983, doctorat d'État en droit à la faculté de droit de Nice, il mentionne très bien, avec les félicitations du jury. En 1988, à 34 ans, vous devenez agrégé des facultés françaises de droit. Vous recevez dans la foulée le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je n'ai rien oublié. Si, si, j'ai également obtenu le prix de thèse de la faculté de droit de Nice pour ma thèse. Et juste une petite précision, parce que quelquefois les gens se sont demandé de quoi je me piquais de parler un peu d'économie. Je voudrais simplement souligner que lorsque j'ai fait l'IAP, c'était l'option économie et finance. Alors moi aussi, soufflé que vous avez travaillé sur l'économie du Sud-Soudan il y a quelques mois. C'est vrai ça? C'est pas sur l'économie, justement. J'ai travaillé, c'est un dossier sur lequel je travaille encore, donc je n'en dirai pas beaucoup, mais c'est pas sur l'économie, c'est sur des questions différentes frontalières. Ok, d'accord. Lorsque le président Ahidjo décide de démissionner en 82, quel est votre sentiment, professeur Kamto? Je pense moins au président, pour dire la vérité, au président Ahidjo qu'au président Biya qui arrive. Donc vous dites que c'est un bon débarras. L'autocrate est parti, bon débarras. C'était pas mon sentiment. J'étais enthousiaste à l'idée qu'arrivait au pouvoir un jeune fonctionnaire, ou en tout cas un jeune diplômé d'université, des universités, des bonnes universités françaises bien formées, alors qui allait bouger les apporter choses, une vision moderne
celle à laquelle cette génération-là aspirait. C'est plus vers cela que j'étais porté. Je dois dire, nous avons dansé à la cité universitaire de Nice où j'habitais. Moi, je n'avais jamais rencontré le Premier ministre d'alors qui devenait président de la République, loin s'en faut. La télévision n'était pas courante, donc on le voyait à peine. On avait quelques images furtives, soit dans la presse, je crois en particulier lorsqu'il est allé venu inaugurer quelque chose ici à Douala, probablement au port. Et peut-être, vous savez, quand on projetait les films dans les salles de cinéma à l'époque, il y avait Cameroun Actualité. On commençait par là et on pouvait voir quelques images du Premier ministre qui devenait donc président de la République. J'étais plus attiré par cela. Et justement, vous écrivez, j'ai obtenu le diplôme terminal sanctionnant mes études de droit dans une université du sud de la France, donc en Nice, un vendredi. Le jour d'après, un dimanche de novembre 1983, j'étais à Yaoundé, brûlant d'apporter ma modeste contribution à ce qui s'annonçait alors comme la grande odyssée nationale sous la houlette d'un homme réputé, intègre, fin, lettré et moderne. Vous étiez en pamoison devant le président Biya. C'est exact, je vous le confesse. Non, on va dire que c'est son arrivée au pouvoir qui vous pousse à rentrer au Cameroun. Oui, je pense probablement, pas que je serais resté en France. C'était entendu que, quelles que soient les conditions, je serais rentré au Cameroun. Pour enseigner. Pour enseigner. Mais le fait qu'il accède au pouvoir à ce moment-là précisément, à accélérer mon retour. Je ne voyais aucune raison de passer un jour de plus. Effectivement, j'ai soutenu ma thèse un vendredi à Nice et je peux vous assurer que le voyage de Nice sur Paris durait à peu près 12 à 16 heures à cette époque parce qu'il n'y avait pas de TGV et je n'avais pas de quoi payer un billet d'avion. Donc j'allais en train et donc j'ai passé pratiquement deux jours pour faire ce voyage pour prendre le premier avion et être à Yaoundé. Je pensais que il fallait venir apporter sa contribution. Voilà, qu'il fallait être là, qu'il fallait vraiment, qu'il pouvait compter sur un certain nombre de jeunes Camerounais disponibles pour l'aider. Pour ça, comme tu fais un petit flashback, hein. Nous sommes en novembre 2011 et je recevais sur ce plateau, au même endroit où vous êtes assis, l'un de vos collègues que vous devez sans doute très bien connaître. Si on peut regarder la vidéo et on revient en studio. Naturellement, nous étions du bord du président de la République. Pourquoi vous dites naturellement, professeur Mononjana? Naturellement, dans quel sens? C'est juste que, puisqu'il était en face de nous, nous sommes donc naturellement en face de lui, dans ce cas-là, pour dire que le président ne violait pas la Constitution. Je crois que nous avons même connu le tout premier grand débat télévisé dans ce pays. Le professeur Kamto et moi, nous étions face à face. Vous vous rappelez la date? Ou au moins... Ça devait être dans les années 87. 87? Oui. La télévision avait, je crois, deux ans. Et un débat de cette nature avait eu lieu sur la CTV, disait-on à l'époque. Et ceci, après un grand échange à travers le journal du Messager. Nous avons fait animer une politique pendant, je crois, trois mois. La filet à terre, le Messager. Et puis, là, j'ai oublié, chaque fois qu'on célébrait un anniversaire du Messager, il me faisait venir ici à Douala en disant que c'est grâce à nous, le professeur Kamto et moi, c'est grâce à nous que le Messager a pris son essor. Vous êtes qui ouvrir. Bien. Il voulait constater la Constitution. Il s'est retrouvé. Il est payé par. Avec qui aussi? Si vous avez eu des échanges assez. Oui, assez souvent. Je ne parle pas de monofascisme. C'est un concept créé par Jean Bocam. Lorsque moi j'avais fait ma conférence sur l'ethnofascisme, en démontrant, en définissant ce que cela voulait dire. Eh bien, vous savez comme font l'enfant qui joue. Il a dit que le monofascisme, c'est toi le fasciste. Il n'y a pas de monofascisme. C'est pas votre forcément. Non, t'as pas besoin qu'on fasse. C'est normal. Merci.
Il y a eu ce débat-là, en 1985. Hein. En effet. Est-ce que c'est ce débat qui vous a conduit plus tard à la BMM, enfermé? En effet. Mais je voudrais faire une petite précision. Je pense que mon collègue et ami Hubert Mononjana a peut-être, par un glissement de sa langue, dit « je reprochais au président de la République de violer la Constitution tout le temps ». Il ne peut pas citer un seul passage où j'ai dit cela. J'ai dit deux choses à propos de la Constitution en relation avec le président de la République actuel. Après la réforme constitutionnelle de 1979, et avant qu'il n'accède au pouvoir, cette réforme constitutionnelle qui faisait du Premier ministre le dauphin constitutionnel, c'est-à-dire le successeur constitutionnel du président, j'avais écrit un article de droit constitutionnel, publié dans une revue scientifique, où j'estimais que la réforme constitutionnelle de 1979, en permettant au Premier ministre, quel qu'il fût, qui qu'il fût, d'accéder à la magistrature suprême sans passer par la voie électorale, était une violation de la Constitution, était en tout cas contraire à la Constitution, parce que le principe cardinal dans notre Constitution, et y compris dans celle qui est en vigueur, c'est qu'on dit que le président de la République est élu au suffrage universel. Et il y a d'autres dispositions qui disent que tous ceux qui exercent le pouvoir exécutif tiennent leur pouvoir d'un mandat électif. Donc, lorsque vous combinez les normes constitutionnelles, cette disposition-là était discutable. Ça, c'est la première fois. Et donc, c'était pas, à ce moment-là, on ne savait d'ailleurs pas, si, même s'il était Premier ministre, parce que même jusqu'à la dernière minute, le président Aïdjo aurait pu changer de Premier ministre. Donc, c'était pas dirigé. Le débat de fond, donc, qui vous opposait, était lequel? Avec Amono? Oui. Alors, donc, la deuxième fois où je parle de constitution, c'est simplement que je dis après, très rapidement, qu'après le coup d'État, tentative de coup d'État de 6 avril 1984, je pensais que pour lui donner toute la latitude d'agir et dans le cadre de la légalité constitutionnelle, il pouvait effectivement invoquer les dispositions de l'article 16 de la Constitution qui lui donnait toute latitude en période d'exception, dans une situation exceptionnelle. Le président de la République a des pouvoirs particuliers qu'il peut mettre en œuvre. Il n'a pas choisi cela, mais je respecte. Donc ce n'est pas... Et d'où vient donc le conflit? Je ne pouvais pas mener avec Mono un débat constitutionnel. Il n'est pas juriste, il n'est pas constitutionnaliste. Non. Mon débat avec Mono portait sur son livre « L'idée sociale » chez Paul Biya. C'est un ouvrage qu'il écrit, donc qui paraît en 1985. On se croise pour la partie anecdotique sur le campus de l'université de Yaoundé. Il me dit, je viens de commettre un ouvrage, est-ce que tu veux bien le présenter? Je pense, probablement à l'époque, il pensait que j'étais journaliste parce que j'écrivais assez souvent dans la presse. Je lui dis, aucun problème, à condition que tu me laisses le présenter comme je l'entends, que je fasse librement mes analyses. Il me dit, pas de problème, vous y allez. Donc je fais mon compte rendu de son ouvrage dans Le Messager. Je dois vous dire que, entre autres points de divergence, il y en avait deux majeurs. Le premier était que, parlant de l'idée sociale du président de la République, il en parlait comme si c'était déjà mis en œuvre. Et je lui disais, c'est prématuré, il faut qu'on attende de voir ce que ça va donner. Donc ça, c'était le premier point de divergence. Mais le deuxième est, pour moi, plus fondamental. C'est ce qu'il dit, je crois, aux pages 205, entre les pages 250 et 256 de son ouvrage, où il dit qu'il faut maintenir les appareils répressifs de l'État pour les retourner contre tous ceux que l'on soupçonne. Je cite de mémoire, mais pratiquement à la virgule près, que l'on soupçonne d'être contre le renouveau. Lisant cela, je bondis, parce que je vois le Cambodge. Sous Pol Pot, il y a eu plusieurs millions de morts au Cambodge, des gens que l'on soupçonnait d'être contre le communisme. Et donc je me dis, c'est pas possible qu'un universitaire, talentueux par ailleurs, qu'un philosophe de surcroît puisse écrire une pareille chose. Je dois en rendre compte tout en affirmant très clairement
en désaccord avec cela. C'est ce que je fais. Je dois dire que j'ignorais qu'à cette époque, il avait des fréquentations avec la Corée du Nord et que cela avait pu... Déteindre sur sa façon de voir les choses. De voir les choses, en effet. Mais pour moi, c'était inacceptable alors qu'on venait de sortir... D'où le débat épique voilà, qui a eu lieu pendant le mois. Voilà. Pourquoi vous allez à la BMM? Parce que vous avez été interné à la BMM qui a été une prison politique. Absolument. Alors, je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, je me pose aussi la question. Parce que je me retrouve à la BMM, je ne vais pas, si je vous raconte les circonstances, ça pourrait être croustillant, mais ce n'est pas la peine. Je me retrouve à la BMM et je me dis, mais enfin, on aurait dû donc à amener mon contradicteur. J'ai rendu compte de l'ouvrage d'un auteur, il aurait dû être là pour qu'on s'explique l'un et l'autre à la police, ce que l'on avait en idée. Non, je m'y retrouve seul. Et je me souviens que dans notre polémique, dans un des papiers de Hubert, il dit « On ne badine pas avec l'État », c'était le titre. Et j'ai donc compris que, au fond, j'avais pas affaire à l'universitaire ou au philosophe, mais j'avais affaire à l'État. Donc j'avais badiné avec l'État en croyant que j'ai badiné avec le philosophe. Vous avez passé combien de temps à la BMM? Non, 48 heures, grâce à Dieu. On ne vous a pas torturé? C'était pas une partie de plaisir, c'était pas agréable. J'étais nu comme un ver, on a versé de l'eau sur le ciment, nu, et on m'a fait coucher sur le ciment. Pendant 48 heures? Pendant 48 heures. Est-ce que quand vous sortez de là, vous avez une sorte de rupture psychologique avec le régime? Pas vraiment. Je vais vous parler très franchement. Même avec cela, j'avais pas eu de rupture psychologique avec Monsieur Biya, président de la République. Parce que j'avais l'impression que c'était encore les appareils répressifs, justement, mis en place par l'ancien président qui opérait et que je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse être au courant de pareilles pratiques. Donc, je n'étais pas en rupture avec... Contre, lorsque quelques années plus tard, moins de 2 ou 3 ans plus tard, lorsqu'il y a ces premiers vents de l'Est avec le discours de la Bolle, avec le mur de Berlin qui s'effondre et que les vents de la démocratie arrivent en Afrique et notamment au Cameroun, et qu'il y a une contestation qui se crée, qu'on ouvre, il y a ouverture politique, le multipartisme, vous ralliez l'Union pour le changement. Pourquoi vous ralliez dans l'Union pour le changement quelques années plus tard? Parce que, alors il faut bien, vous savez, l'Union pour le changement, c'est en 1991. Oui, 91, 92. Oui. Parce que c'est lors des élections de 92, c'est même pas 91, c'est 92. Alors, vous voyez bien qu'entre 85 et 92, il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Qu'est-ce qui a fait? Alors, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu, vraiment, j'ai commencé à percevoir à ce moment-là qu'il y avait une véritable lutte à l'intérieur du système entre le courant modernisateur, le souffle nouveau qu'apportait donc le nouveau président de la République et ceux qui voulaient conserver le système qui avait prévalu jusque-là et peut-être les privilèges dont ils avaient pu bénéficier. Parce que il y a eu la censure s'est faite plus dure. Les journaux étaient défigurés, hachurés. Si vous regardez les journaux de l'époque, vous verrez que... Alors vous aimez bien écrire. Oui, non, voilà. Non seulement j'aimais bien écrire, mais c'était tout à fait à l'opposé de tout ce pourquoi je militais. Je dois vous signaler que lorsque j'écris l'article de 1985, N'enchaînons pas Paul Biya, n'enchaînons pas... que Pius Nyawe publie sous le titre N'enchaînons pas Prométhée, je le propose d'abord à Cameroun Tribune, qui était dirigé par un bon copain d'alors, Feu Henri Bandelot, on était bon copain, on se voyait le soir. Et donc, tout enthousiaste, je vais lui présenter mon papier pour dire, bon voilà, moi j'ai compris la pensée du président de la République, il veut la démocratie au Cameroun. Et il ne faut pas parler de ceux qui ne sont plus là, mais comme il l'avait mis à la main, il met sur mon article, parce que lui, il avait fait un éditorial qui annonçait déjà la fermeture du système. Et donc, ça m'avait fait peur. Et j'ai donc dit, il faut aider le président à tirer vers l'avant le train de la démocratie. Quand il reçoit mon article, il met dessus que je lui fais un procès de sicaire. Et il me demande de supprimer certains passages où je montrais, à travers, en citation à l'appui, le discours du président de la République, que lui, il allait vers la démocratie. Et je lui dis, Henri, moi, je n'en ferai rien parce que tu me connais. Donc, je n'ai jamais écrit sous pseudonyme, jamais, au grand jamais. Tous mes articles, je les signe et j'assume. Par conséquent, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais supprimer des passages parce que ça ne te plaît pas. Tu ne veux pas publier?
libre à toi, tu es le directeur de Cameroun Tribune, moi je rentre avec mon article, c'est comme cela. Donc il y avait déjà quand même une sorte de chape de... Voilà, donc ça se refermait. Et au ministère de l'administration territoriale, le ministre de l'administration territoriale de l'époque, je crois qu'il est encore vivant, donc je ne vais pas... mais n'allait pas dans la bonne direction. Monsieur Mengueme, voilà. Moi, je donne le droit pour vous, oui. Oui, voilà, donc c'était lui à l'époque. Et on commençait à percevoir les premiers signes de dégradation de la situation économique. C'est tout cela qui fait que vous basculez. Voilà. Et donc, en 1992, j'ai dit non, on ne peut plus continuer comme cela. D'autant plus que la dérive avait été accentuée par le discours, et discours haineux. Les discours qu'on retrouve aujourd'hui étaient déjà en prémisse à cette époque, auprès dans les discours d'un certain nombre d'intellectuels. Et moi, je n'étais plus à l'aise avec cela. Alors, vous soutenez donc l'Union pour le changement. Quel a été votre rôle au sein de ce groupement hétéroclite? Oui. J'ai pas eu un rôle officiel particulier. Je n'avais pas de rôle officiel. Je me suis dit, avec quelques amis qui sont encore vivants, dont je ne les citerai pas, on se réunissait, on discutait, on débattait de l'avenir du pays. Et nous nous sommes dit, par rapport aux élections qui s'annoncent, si nous ne prenons pas la parole et nous n'exprimons pas clairement notre position, alors nous devrons nous taire à jamais. Parce que ce n'est pas la peine de faire des discours de salon et de refaire le monde 36 fois. Et au moment où il faut donner le temps, dire aux Camerounais ce que nous pensons, on ne le dit pas. Et c'est ainsi que j'ai donc demandé à passer dans la campagne, disons la tranche horaire qui était réservée à l'Union pour le changement ou au candidat Frundi à l'époque, je m'exprime. Et si vous prenez les bandes vidéo de l'époque, vous verrez que je suis pratiquement parmi ceux qu'on appelle, à tort ou à raison, intellectuel ou universitaire, à tout le moins, à cette époque-là, le tout premier à passer. Votre but à l'époque n'est pas de bénéficier d'un cheval qui était à l'époque, qui avait le vent en poupe, donc M. Frundi, et plus tard, trouver un moyen de l'écarter, parce que peut-être... Moi ? Mais non, M. Frundi, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Je dois vous dire une chose. Beaucoup... Pourquoi vous soutenez une personnalité que vous ne connaissez pas? Non, là, on était tous dans la dynamique populaire, mais aussi sur une chose. Peut-être qu'il pouvait ne pas tenir sa parole, mais M. Frundi disait, j'ai besoin d'un maximum de 2 ans pour refaire les institutions et remettre tous les mandats en jeu. Celui qui sera élu, sera élu. Et si vous voyez mon passage à la télévision... C'est des vrais discours politiques, hein? Probablement. Mais si vous voyez mon passage à la télévision à cette époque-là, j'ai dit clairement, si à l'issue de cela, c'est le président actuel, donc le président Biya, qui est élu, moi je m'inclinerai. Les bandes existent et vous pouvez voir là-dedans. Donc, il n'y avait aucun jeu, j'avais aucun calcul. Alors, je vais vous dire, si vous permettez 30 secondes, j'ai croisé, même pas rencontré, ni salué M. Frundi 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était justement au stade... à Bafoussam, quand je suis allé donc, dans le cadre de sa campagne électorale, faire un soutien, et on ne sait même pas, savez, il est passé, parce que nous, probablement, nous n'étions pas dans son dispositif, mais on lui a apporté le soutien. Et une deuxième fois, c'est lorsque je suis allé dans le nord-ouest à Bamenda, en tant que membre du gouvernement, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, pour faire la vulgarisation du code de procédure pénale. Il était dans la salle avec le vice-premier ministre, avec l'ancien premier ministre Achille Achou. Et donc voilà. Qui a remporté, selon vous, l'élection présidentielle de 1992, M. Maurice Kamto, John Frundi ou Paul Biya? Si vous me posez la question de cette façon-là, je suis incapable de répondre. Mais si vous me posez la question de est-ce que l'élection présidentielle de 1992 s'est passée dans des conditions telles que l'on puisse dire sans aucun doute que le vainqueur en était le véritable vainqueur, je vous dirais non. Et pour une raison simple, c'est que c'est notre plus haute juridiction, la Cour suprême elle-même, qui le dit. Elle rend un arrêt exceptionnel, au propre comme au figuré, parce que jamais dans notre histoire judiciaire, une juridiction n'avait été aussi méticuleuse dans le recensement des irrégularités dans une opération électorale. Et l'arrêt de 92 est exemplaire à cet égard. Mais exceptionnel aussi de par la conclusion à laquelle parvient finalement la Cour suprême en disant qu'elle n'a pas compétence pour se prononcer. Et je dois avouer que j'étais un tout petit peu embêté, pour dire le moins, pour utiliser un euphémisme, parce que c'est la plus haute juridiction nationale qui peut le plus, peut le moins. Est-ce que vous avez souffert dans votre carrière administrative et académique à l'époque de votre engagement en politique? Est-ce qu'on vous a pourchassé à l'université?
à cette période-là. Je vais dire que ma nomination à l'université de Ngaoundéré comme vice-doyen était une sanction. C'était probablement dû à cela, parce que on me nomme comme vice-doyen, il n'y a pas de doyen. Je suis déjà à ce moment-là agrégé des facultés de droit, il n'y en a pas beaucoup. Et donc il n'y a aucune logique, si l'on voulait vraiment me donner des responsabilités, de ne pas me nommer doyen. Et le poste de doyen est resté vacant, exercé en fait par mon collègue Dr Tienche à l'époque, jusqu'à ce que je parte de Ngaoundéré. Donc on me nomme là-bas comme vice-doyen. Et je décline la nomination, je dis, je n'ai pas envie d'être vice-doyen, en tout cas d'aller en Ngaoundéré comme vice-doyen. Et donc on me dit, bon, puisque vous refusez d'y aller comme vice-doyen, vous irez comme enseignant. Et j'y suis allé comme enseignant, mais j'ai fait un recours. Et c'est sur la base d'une décision de justice que je suis revenu à l'université de Yaoundé. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas parce que je ne voulais pas enseigner en Ngaoundéré. Déjà, à l'époque, j'avais... puisque vous m'y amenez, mais j'avais un de mes enfants n'avait pas une bonne santé, et il était vraiment impossible de le faire suivre à Ngaoundéré. Et donc j'étais sur le plan familial très embêté de devoir laisser ma famille avec des moyens de locomotion qui ne sont pas faciles entre les deux villes. Mais j'y suis allé, c'est nous qui avons lancé la faculté de droit, j'ai fait une année académique. Une année académique. Jusqu'à ce que j'obtienne la décision de la Cour suprême ordonnant le sursis à exécution de la décision et que je revienne à Yaoundé. Lorsque vous lancez votre cabinet Brain Trust, c'est à la même période, Brain Trust Consulting. C'est ça, c'est en 1994, très exactement. C'est pour joindre des deux bouts en fait, hein, parce que c'est difficile. Oui, hein? C'était difficile, on avait, n'oubliez pas, diminué les salaires, il y avait eu la dévaluation, mais j'ai toujours eu... à cœur de montrer que le métier d'enseignant, et qui plus est d'enseignant d'université, mais également de secondaire, est un métier noble. Et des gens qui doivent arborer cela avec fierté. Et je ne voulais pas sombrer dans le misérabilisme qui était ambiant. Si on s'en tenait au salaire de l'époque, on était obligé justement de donner l'image que moi je n'ai pas, que je ne veux pas donner d'un professeur d'université. Vous avez pris des participations dans la presse, hein, notamment le journal Génération à l'époque, aux côtés de l'assureur. Côté Ayama, vous quittez le journal plus tard parce qu'il ne marche pas très très bien, hein, selon vous. Non, ce n'est pas pour cette raison. C'est pas pour cette raison. Non, non, je ne prends même pas des participations. Nous fondons Génération. Oui. Je veux dire, on peut prendre des participations, mais à distance. Mais vraiment, on fonde. On élabore le concept. Je signe le premier édito avec Vianney Ombenzana, paix à son âme. D'ailleurs, c'est un double édito, mais je ne vais pas rentrer dans les raisons pour lesquelles il y a un double éditorial. Et donc, on porte vraiment le journal. J'écris, à ce moment-là, mes papiers sont presque exclusivement pour Génération, parce que je voulais porter le journal. Et au fond, il se fourvoie parce qu'il a parti lié avec un des actionnaires du journal qui n'avait pas une bonne compréhension de ce que l'on voulait faire, et puis le journal... – Vous retirez. Périclite. Oui, en fait, je me retire parce que le journal est en train de mourir. – Vous êtes un des fondateurs, donc, avec Potayama, donc, oui, du quotidien Mutation. Vous avez des intérêts, parce que vous avez au moins 30%. Moi, j'étais à Mutation, donc je sais que vous avez 30%. – J'ai même plus que ça, mais je vais vous dire, j'en parle de manière libre et avec aisance, parce que quand l'aventure de Génération tourne court, Monsieur Alfonso, qui était un de nos cadres à Génération, me dit, mais il vient me voir, il me dit, on ne peut pas laisser tomber cette aventure comme cela. Pourquoi est-ce qu'on crée Génération? Parce que la presse des années 90 a fait un travail extraordinaire, mais elle était assez combattante. Et nous disons, il faut que l'on fasse aussi une presse, j'allais dire, plus neutre, ou en tout cas qui s'efforce d'être neutre et objectif, à la mesure de la qualité des intellectuels camerounais. On ne peut pas avoir une presse de cette nature au Sénégal ou ailleurs et ne pas en avoir au Cameroun. Voilà pourquoi nous allons dans la presse. Et j'en ai jamais tiré un centime, ni à Génération, ni à Mutation. Mais vous avez tiré un centime ailleurs, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas bénéficié du quotidien Mutation, par exemple, pour imposer vos images dans l'opinion publique. Vous n'avez qu'à prendre le Mutation. Je veux dire que, est-ce qu'à un moment donné, par exemple, vous n'avez pas
entamer une sorte de recentrage de votre discours, de retour vers le système, vers le régime, à travers les éditoriaux que vous faisiez, où vous étiez plus conciliant. Non, il faut, comprenez-moi bien, plusieurs journaux de la place m'ont sollicité pour être éditorialiste chez eux. Mon ami, et paix à son âme, Pius Ndiaoué, qui ensuite ne m'a pas ménagé dans Mutation, dans Le Messager à l'époque. Il a, je crois, Jean-Baptiste Sipa a signé plusieurs épans contre moi dans Le Messager à l'époque. Parenthèse, tout simplement parce que un lecteur fait une note de lecture d'un ouvrage du professeur Onan en disant comment, toute première phrase, je n'ai pas lu cet ouvrage, mais je vais vous en parler. Et je suis scandalisé, j'écris au messager pour dire c'est quand même pas possible. C'est une insulte au lecteur. Si on n'a pas lu un ouvrage, on n'en parle pas. Le professeur Onan n'avait pas besoin de moi pour se défendre, mais je croyais qu'intellectuellement, ce n'était pas soutenable. Et donc, pendant plus de 2 ou 3 semaines, j'étais épanoui, on m'a insulté, on m'a traité de tout en disant que j'avais bénéficié du messager pour me faire un nom et maintenant je voulais imposer la censure. Voilà. Donc, dire que on a créé Mutation pour le mettre à mon service, regardez combien d'articles on n'a jamais écrit dans moi dans Mutation depuis la création de Mutation. Mutation n'a même pas eu l'élégance très souvent de rendre compte de mes éléments. On n'a pas besoin, vous signez des éditoriaux. Non, 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 mais signer un éditorial. C'est votre journal. Oui, non, attention. D'abord, on me le demandait, mais on signe un éditorial, on exprime une opinion. Tout autre chose est la couverture de vos activités par un journal. Prenez, quand depuis la création de Mutation, regardez combien d'articles concernent Maurice Kamto, regardez du reste aussi combien d'éditoriaux. Il ne faut pas exagérer, je n'ai pas écrit 50 éditoriaux à Mutation. Et vous dites que c'était pour amorcer le retour au régime. Monsieur Ngonga, regardez bien ma trajectoire. Je suis quelqu'un qui... en tout cas, je l'espère, est assez pondéré. Quand je dis que j'aime pas la violence, que je veux pas la guerre, en tout cas, en politique, ce n'est pas un discours de commande, ce n'est pas un discours de circonstance. C'est parce que je le pense profondément. Lorsque je dis, j'écris en 2004, je crois, un éditorial disant que... quand je lisais les discours du président de la République de l'époque, on sentait qu'il voulait une ouverture. Moi, je n'étais pas dans le champ politique. Et je dis aux acteurs politiques de l'époque, aucune main tendue ne doit être refusée. Parce qu'il y a là peut-être possibilité d'imprimer une autre orientation à notre pays. Je n'amorce aucun retour. Je n'ai jamais demandé à être nommé doyen de la faculté de droit de l'université de Yaoundé 2. Au contraire, le ministre d'État, Atanga Mbara, qui est un ami... il est dans une période difficile. Vous êtes allé le voir Non, je ne suis pas allé le voir. Je crois qu'on m'a déjà posé cette question. Je crois que je n'ai pas besoin d'aller le voir pour qu'il se porte, bien. Et il sait que j'ai la plus grande estime pour lui. Pour ce qu'il a fait, du moins de ce que je sais. Parce que je ne peux pas être juge d'autre chose. Mais pour ce que je sais, je le tiens pour un des meilleur ministre de l'enseignement supérieur que le pays ait eu. Donc, je n'éprouve aucune gêne à le dire. Permettez-moi de terminer. Allez-y, professeur. Non, non, je n'amorçais pas un détour. Je n'ai pas demandé à être nommé ministre. Je n'ai jamais fait aucune démarche en ce sens. Mais ça a été pour moi un honneur de servir mon pays à ce niveau. Et je le referais si j'avais à le faire. Non, je vais dire dans les mêmes circonstances, pas dans les conditions actuelles. Mais comment vous êtes retrouvé dans le dossier de Bakassi? Qui vous a introduit, professeur Kamto? Monsieur Mounan, je vais vous dire une chose. J'aime pas beaucoup parler du dossier Bakassi. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, c'est un dossier d'État. Ça fait partie de ce qu'on appelle des dossiers d'État. Ce que j'ai eu à connaître ou à être au contact d'informations dont je n'en parlerai jamais, même dans mes mémoires, si jamais je devais les écrire. Donc, ce n'est pas la peine de trop me titiller sur Bakassi, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas apporté ma contribution, lorsqu'elle a été sollicitée, ma modeste contribution au dossier Bakassi pour en tirer une gloire personnelle. Je me suis mis au service de mon pays, je l'ai dit. Vous ne m'avez jamais entendu parler personnellement de Bakassi. Les gens ont raconté des tas de choses en parlant. Mais maintenant, vous me posez une question à laquelle je peux répondre parce que ça ne met pas en cause le dossier Bakassi. Ouais, le fond du dossier, ni les enjeux. Celui qui m'introduit dans le dossier, c'est, paix à son âme, feu le ministre d'État Ferdinand Oyono.
C'est lui qui m'invite. Je suis en train de faire un cours ici à l'université de Douala, un cours de droit international deuxième année. Et le doyen m'appelle en disant, on veut, Diaoundé vous appelle, on veut vous parler au téléphone. Et à ma grande surprise, j'ai en direct au téléphone le ministre d'État qui me dit, bon voilà, est-ce que vous pouvez être à Yaoundé tel jour à telle heure? Je dis, moi je peux être disponible que tel jour à telle heure. Il ne m'avait pas dit l'objet, donc on convient que j'arriverai ce jour-là, à cette heure-là, et il me reçoit, et voilà, le reste. Nous allons effectuer un deuxième arrêt, si vous le voulez bien, professeur. Oui. On va permettre à un citoyen de vous poser une question sur ce sujet-là. Très bien. Je sais que vous n'avez pas en parler, on va pas entrer dans le fond. Hein. Très bien. On va rester en périphérie. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième élément, s'il vous plaît? Professeur Maurice Camteau, bonsoir. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions, mais si vous permettez, je voudrais tout d'abord saluer le brillant intellectuel que vous êtes, le brillant universitaire que vous êtes. C'est une fierté pour notre pays, pour nos universités, de compter des enseignants de valeur comme vous. Mais si vous permettez également, ce soir, je ne voudrais pas m'adresser à l'intellectuel, à l'universitaire. Je voudrais m'adresser au président du mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC. Je crois que c'est bien ça. À l'homme politique, professeur, ça concerne un peu votre participation à Bakassi. Vous avez laissé entendre dans votre lettre... pour justifier votre limogeage ou démission du gouvernement, tout dépend de quelle langue on voit, mais vous avez laissé entendre que vous n'y étiez allé que par rapport à Bakassi, et vous avez donné, votre parti semble donner l'illusion que Bakassi c'est vous. Or, d'après nos informations, il y avait quand même toute une équipe de politiques, des juristes, des militaires, et coiffés par le président de la République. Alors, quel était votre rôle? Quel était votre rôle précis à Bakassi? Et diriez-vous aux Camerounais ce soir que nous n'aurions pas eu Bakassi, ou en tout cas la solution obtenue par le Cameroun n'aurait pas pu prospérer sans M. Maurice Camteau? Quel a été votre rôle dans ce conflit, dans la résolution de ce conflit? Et est-ce que vous pensez que vous seul avez pu, sans les autres, faire en sorte que le Cameroun ait gain de cause à la haie? Voilà, je vous remercie pour ces questions et j'espère que vous allez nous répondre sans langue de bois politique. Merci, monsieur le professeur. Alors, vous ne répondez pas? Non, non, je vais dire quelques mots. La tournure de la question me surprend. D'abord, on me fait dire ce que j'ai jamais dit. Ça fait des années qu'on essaie de me faire parler de Bakassi et que j'en parle pas. Ça fait des années, même mes camarades ont voulu, par moments pendant la campagne, utiliser l'argument de Bakassi. Et certains peuvent en témoigner, et je leur ai interdit formellement d'utiliser cet argument-là. Alors, quand j'entends un compatriote, par ailleurs très, très courtois, je dois le reconnaître, faire des insinuations, parce qu'il dit que c'est malveillant de dire oui, votre limogeage ou votre démission, ça dépend du point de vue, je ne sais pas si c'était nécessaire. S'il considère que c'est un limogeage, pourquoi pas, libre à lui. S'il considère que c'est un départ que j'ai annoncé comme je l'ai annoncé, libre à lui. Mais ces insinuations, je dis, n'étaient pas nécessaires. Non, ce n'était pas nécessaire. Et de surcroît, il dit que j'indique que mon entrée au gouvernement, c'est à cause de Bakassi, et uniquement à cause de Bakassi. J'ai jamais dit cela. J'ai dit, ignorant les critères qui entrent en jeu dans la nomination d'un membre du gouvernement, j'ai toujours dit, il se peut que cela ait pu jouer. Il se peut que, à un moment donné, on ait estimé que on avait besoin dans l'équipe du Cameroun de quelqu'un d'un certain rang par rapport, par exemple, à des collègues nigériens. Mais j'ai jamais dit. Cela suppose que... Parce que si j'avais dit c'est à cause de Bakassi que je suis entré, cela suppose
soit que je sois l'auteur de ma propre nomination, soit que j'en ai discuté avec l'auteur de la nomination, ce qui n'est pas du tout le cas. Maintenant, quant à Bakassi, je vois qu'il est très embêté à l'idée que j'ai pu jouer quelques rôles dedans. Et alors, dans ce cas, je voudrais dire, vraiment sans aucune acrimonie et en toute simplicité, qu'il peut considérer que j'ai joué aucun rôle dedans et que je me réjouis énormément que le Cameroun ait pu s'en tirer à très bon compte avec l'aide de ceux qui ont pu l'aider à se sortir de cette affaire. Alors vous êtes justement nommé comme membre du gouvernement, hein, nous sommes en décembre 2004, 8 décembre 2004, et moi je me suis retrouvé chez vous ce jour-là parce que j'étais à Yaoundé, je travaillais déjà ici à STV, je me suis retrouvé chez vous ce jour-là, vous n'étiez pas à la maison. Vous vous rappelez où vous étiez, professeur Kamto? Je ne peux plus vous le dire. C'est M. Amadou Ali, vice-premier ministre. Ouais, voilà. Oui, oui, c'est vrai que c'est exact. J'étais allé le féliciter. Et c'est vous, vous avez nommé aussi. Et il y avait des gens chez vous qui attendaient pour célébrer votre nomination. Oui, oui, d'abord parce que je travaillais avec lui depuis quelques temps déjà. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai jamais eu de problème particulier avec lui, y compris jusqu'à aujourd'hui. Et cette estime n'a pas varié. Certains ont très mal pris certains propos qu'il aurait tenus et qui ont été rapportés par... Je ne rentre pas dedans, je le laisse libre. Ça vous a pas gêné? J'étais embêté si c'est vrai qu'il a tenu de tels propos, mais... Vous en avez parlé avec lui? Non, nous n'en avons pas parlé. Et donc, j'étais allé le féliciter, d'autant plus que j'allais continuer à travailler avec lui cette fois-là sur un autre plan, en tant que, non plus en tant que collaborateur dans le dossier Bakassi, ou co-agent, parce que officiellement j'étais co-agent. C'est-à-dire qu'on était agents ensemble. Mais peu importe les appellations et les titres, j'étais son collaborateur. Et donc, on allait poursuivre cette collaboration sur un autre plan. Non, les propos qu'il a tenus, je dis, personne ne peut se... Il faut que je rappelle quand même les propos pour ceux qui nous voient, qui nous sont en train de nous regarder en direct. Oui. Après, selon Wikileaks, les câbles, M. Amadou Ali, ministre de la République, aurait déclaré que certaines ethnies, notamment les Bamileke, les Métis, autres ne peuvent pas accéder au pouvoir après le président Biya. Oui, oui, non, mais je pense que ce sont des propos, s'ils sont avérés, il y a lieu de penser qu'ils sont avérés, parce que je ne vois pas pourquoi Wikileaks aurait fabriqué cela. Il n'a pas démenti. Voilà, bon, peu importe, mais je ne vois d'ailleurs pas pourquoi Wikileaks aurait fabriqué cela uniquement pour lui nuire. Mais là, on est sur le champ politique. Moi, je vous parle de mes relations avec lui. Des relations d'hommes, mes relations personnelles avec lui. Elles sont bonnes. Oui, elles sont bonnes. Elles sont même jusqu'à très... présent. On ne se voit pas, mais elles sont très bonnes. Moi, on ne se voit pas. Comment vous savez qu'elles sont bonnes si vous ne voyez pas, professeur Kamto? Je parle vu de mon point de vue, vu de mon côté. Maintenant, voilà, je ne peux pas préjuger de ce que lui pense de moi. Mais non, moi, je vous n'avez pas vu depuis votre. On s'est croisés. Mais vraiment à l'occasion d'une ou deux cérémonies. Mais... Sans plus? Oui, non, sans plus. Ok. Permettez-moi de lire quelques phrases que j'ai tirées du mémoire de fin d'études d'un étudiant camerounais, un mémoire soutenu dans une institution togolaise. Je suis tombé là-dessus par hasard. Et ça m'a paru un peu intéressant parce qu'il a travaillé sur votre ouvrage. Il dit « La plupart des penseurs, dont intellectuels, africains, proviennent des milieux défavorables et c'est au prix de plusieurs sacrifices qu'ils parviennent à atteindre un certain statut social. Or, dans la mentalité de plusieurs Africains noirs, une personne qui a réussi sur le plan scolaire représente une véritable source d'or pour les membres de sa famille, de son clan, voire même de sa région. C'est donc à lui que toutes les demandes sont adressées. Ainsi, plusieurs intellectuels africains ont rejoint l'un ou l'autre régime politique qu'ils ont un jour ou l'autre critiqué, dans le simple but de jouir de certains biens et d'arranger la situation socio-économique des leurs. » Le cas de Maurice Kamto, auteur du livre « L'urgence de la pensée, réflexion sur une précondition du développement », dont nous nous servons comme base dans ce travail de synthèse, en constitue un exemple concret. Maurice Kamto, cet intellectuel réputé pour son indépendance d'esprit, se présentant devant les jeunes comme un modèle, après avoir longtemps décliné les offres du régime Biya, a fini par le rejoindre, occupe aujourd'hui le poste de ministre délégué à la justice. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il vient de dire là?
Parce qu'il a travaillé sous votre... Oui, je pense que il fait une analyse d'une situation. Je crois que j'ai assez souvent été peut-être mal compris sur ce point. Premièrement, quand on dit qu'il se présente devant les jeunes comme un modèle, je ne me présente devant rien, je construis ma vie. Ça, c'était à l'époque en plus. Hein. Attention, il faut... Je construis ma vie, pas pour quelqu'un, mais pour moi. Si je suis attaché à des valeurs, et si mon attachement à ces valeurs font que certains me perçoivent comme un modèle, c'est tant mieux, mais je ne le fais pas en pensant à, ou je ne suis pas dans un jeu de rôle, sur une scène. Je construis ma vie. Et je construis ma vie sur ce plan-là, sur le terrain politique, avec un attachement viscéral à mon pays. Je vous ai dit, quand on m'a sollicité en 1994 pour participer au dossier à la défense des intérêts de notre pays dans cette affaire, je ne vais pas vous rentrer dans certaines conversations. On a eu. On savait parfaitement à cette époque-là que je n'étais pas forcément dans le parti unique de l'époque, ni dans le pluralisme, dans le RDPC à l'époque, ni particulièrement dans les réseaux ou les circuits classiques d'accession à des positions. Mais moi, j'y suis allé par conviction profonde de ce que je croyais pouvoir apporter ma modeste contribution à la défense des intérêts de notre pays. Il en est de même. Si les gens qui citent mon ouvrage devraient le citer complètement sur tous ces passages-là, et en toute honnêteté, j'ai l'impression qu'il y a des imaginaires qui se sont construits autour de ce que je suis ou de ce que l'on voudrait que je sois ou que l'on croit que je suis, et non pas ce que j'ai dit ou écrit effectivement. Même lorsque j'ai parlé de distanciation vis-à-vis du pouvoir, j'ai dit l'intellectuel, quand il n'est pas au pouvoir, doit garder une distance critique. Parce que celui qui est au pouvoir n'a pas le temps de prendre cette distance critique. Donc c'est celui qui a la distance qui peut lui montrer les écueils et critiquer son action. Mais lorsque l'intellectuel est au pouvoir, il doit agir, il doit mettre en œuvre ce qu'il a pensé. Et donc, lorsqu'on m'appelle au gouvernement en 2004, je pense que j'ai une contribution à donner. J'ai jamais... Et pour que les gens disent que, malheureusement, ces dernières décennies en Afrique, la perception du pouvoir a été totalement déformée et on ne perçoit le pouvoir que comme, pour utiliser le terme courant chez nous, une mangeoire. C'est terrible et c'est dommage. Et je pense qu'on peut aller au pouvoir aussi pour servir. Et c'est ce que j'ai fait de toutes mes forces, de toutes mes capacités. Alors on va dire quel a été votre bilan, vous avez fait 7 ans. Oui. Je vous donne des exemples simples, vous allez me dire exactement. Est-ce que vous savez qu'il y a, depuis 1996, il y a dans ce pays une constitution qui existe et qui a été mise en place progressivement, qui n'est d'ailleurs pas encore complètement mise en place. Est-ce que vous, en tant que juriste, ça ne vous gêne pas? Bien sûr que ça gêne. Est-ce que vous en avez parlé quand vous étiez ministre? Mais bien sûr, on a eu à aborder ces questions-là. Mais il faut comprendre ceci. C'est peut-être le rôle de ceux qui élaborent une constitution d'y mettre ce que le pays est en mesure de mettre en place à un moment donné. Ce que ma participation au gouvernement m'a appris sur la mise en œuvre de la Constitution, c'est que cela a un coût. Cela a un coût important. Et peut-être avait-on sous-estimé ce coût lorsque l'on multipliait les institutions à mettre en place. Mais 20 ans, c'est quand même beaucoup, non? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que le Cameroun a les moyens et avait et a toujours les moyens de mettre en place plus rapidement ces institutions. Mais nous ne sommes pas maîtres. Vous savez, la Constitution a un seul gardien, c'est le président de la République. Donc c'est à lui, c'est lui qui a le tempo. Maintenant, si vous évaluez mon travail au sein du gouvernement par rapport à la mise en œuvre de la Constitution, vous l'évaluerez mal, parce que non, sur ces aspects-là. J'étais en train de continuer à dérouler. Ah, oui, par exemple, le président a engagé une vaste opération de lutte contre la corruption et les détournements de fonds. Il y a des personnalités, dont certains de vos amis, que vous avez cités ici, qui sont actuellement en prison. Quelle a été votre contribution à cette mise en place sur le plan, évidemment, juridique? Vous êtes l'expert,
technique. Je suppose que vous avez eu une participation active en termes de préparation du cadre juridique et autres. Il faut bien connaître le fonctionnement des institutions de notre pays et en particulier du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'il y a un ministère de la justice qu'il élabore tous les textes. La plupart des textes sont élaborés. Couvre soit à l'Assemblée, soit une fois promulguée comme tous les autres Camerounais. C'est normal, c'est la... Non, ça dépend comment le travail gouvernemental est organisé. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, si vous me demandez ce que l'on a fait pour la mise en œuvre de la Constitution, je vous dirais qu'on a le ministère de la Justice sous le ministre, vice-premier ministre Amadou Ali et avec... ma modeste collaboration, contribution, a fait beaucoup. Parce que le Cameroun aujourd'hui a un système juridictionnel plus étoffé, plus élaboré, où on a rapproché considérablement la justice des justiciables grâce au travail que nous avons fourni. Aujourd'hui, vous avez un tribunal administratif dans chaque région. Avant, il y avait la seule chambre administrative de la Cour suprême, donc quelqu'un qui est à Kousri ne pouvait pas facilement s'engager dans un contentieux administratif. Aujourd'hui, il peut aller à Maroua. Aujourd'hui, nous avons mis en place l'organisation judiciaire telle que prévue par la Constitution de 1996, totalement. Nous avons élaboré tous les textes d'application, la Chambre des comptes, tous les textes ayant trait à l'accès à la justice, à l'assistance judiciaire. Si on devait faire le bilan, on irait très loin. Le code de procédure pénale, il peut y avoir des difficultés d'application dues aux lenteurs d'assimilation par certains ou peut-être au refus d'application par d'autres. Mais de façon générale, c'est un très bon code de procédure pénale qui est admiré. Beaucoup de pays, y compris des pays européens, un pays de l'Europe centrale, nous a contacté, m'a contacté personnellement à l'époque pour avoir une copie de notre code. Donc, oui, je comprends très bien. Pour l'instant, pour le cas par exemple de tout ce qui a été lutte contre la corruption et autres cas juridiques, vous n'avez pas travaillé dessus? Oui, pour la CONAC, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le ministère de la Justice qui a élaboré le texte de la CONAC. Probablement qu'on nous a... ça fait quelque temps quand même. Mais on a pu peut-être pu le voir avant l'adoption définitive. Mais ce n'est pas nous qui avons initié la mouture du texte, par exemple la CONAC. On a suivi la mise en place du tribunal criminel spécial. Mais ça, c'est vraiment à la fin de mon séjour au ministère de la Justice. Donc, c'était les derniers jours. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière avec laquelle les procédures judiciaires sont menées contre certaines personnalités qui sont d'ailleurs en prison? Il y a toujours deux appréciations possibles. Il y a celle que l'on peut porter de façon globale, c'est-à-dire sans rentrer dans les dossiers cas par cas. Et dire que l'institution a peut-être des insuffisances, ça et là. Et il y a l'appréciation que l'on peut porter sur des cas particuliers. Et à ce moment-là, il faut avoir connaissance du dossier. Parce que quelquefois, les lenteurs de la justice ne sont pas dues nécessairement aux juges, aux magistrats, mais ça peut être qui multiplie les incidents de procédure, retard. Et vu de l'extérieur, on croit que ce sont les magistrats qui ne sont pas diligents, alors que ce sont les justiciables eux-mêmes. Maintenant, quant à l'appréciation que les magistrats font d'un dossier, c'est-à-dire une fois qu'on leur a présenté tous les éléments du dossier, l'appréciation qu'ils font du dossier, le statut de la magistrature dit qu'ils jugent suivant la loi et leur conscience. Et donc, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent juger de façon arbitraire. Leur conscience ne peut pas l'emporter sur la loi. Et donc, s'ils ne respectent pas la loi, on ne peut que le critiquer. Mais j'ai observé ces derniers temps que les conseils, c'est-à-dire les avocats, de la plupart justement des personnes actuellement détenues ou condamnées, ont eu beaucoup de reproches à faire
à la manière dont les procédures étaient conduites. Et si c'est avéré, effectivement, cela peut être critiquable. Avant qu'on ne puisse arriver sur votre programme politique actuel au sein de votre parti, je rappelle quand même que vous avez décidé de démissionner en novembre 2011, un peu à la surprise générale. Voilà ce que le journal Messager écrivait à la suite de votre départ, il y a bientôt 3 ans. J'ouvre les guillemets, l'épouse de Maurice Kamto, qui est cadre ministère des Relations extérieures, aurait divulgué aux Français certaines informations très confidentielles relatives à la sécurité de l'État et à l'opération Épervier. Cela aurait fâché le chef de l'État. Depuis presque 5 mois, les deux, donc votre épouse et vous, ne signerez plus aucun document. C'était une façon d'amener Maurice Kamto à la démission. C'est quelque chose que j'ai lu et qui est d'une gravité innommable. Cela aurait pu mériter des procédures en diffamation, mais dès lors que vous acceptez ou décidez d'entrer dans la vie publique, il faut vous attendre à tout. Et si vous voulez engager des procédures chaque fois que vous avez je ne peux pas appeler ça une information, parce que ça n'en est pas une. Je ne sais pas d'où ce journaliste a pu sortir quelque chose d'aussi grossier, d'aussi incroyable. J'ai jamais voulu interpeller ni les responsables de le messager, ni le journaliste en question là-dessus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une once de vérité là-dedans. – Donc vous démissionnez pour quelles raisons? Vous avez noté dans votre lettre, entre autres choses, vous n'étiez plus en phase avec tout ce qui est en train de se passer. Vous avez rejoint une formation politique déjà existante, créée par, si je ne me trompe pas, pour le docteur Alain Fauguet. Pourquoi vous n'avez pas créé votre propre parti politique? D'abord parce que, bon, cette formation politique s'est transformée par élargissement et intégration d'autres partis politiques pour former le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourquoi n'ai-je pas créé mon propre parti politique? Parce que mon plus grand souhait en arrivant sur la scène politique aurait été que l'on rassemble le maximum de formations politiques plutôt que d'en créer de nouvelles. Il me semble que les plus de 200, 250, voire presque 300 partis politiques que nous avons dans notre pays ne se justifient pas. Et en tout état de cause, on ne saurait dire que c'est à la gloire de notre pays. Et donc, il me semble que dès lors qu'il n'y a pas de divergence idéologique fondamentale entre plusieurs formations politiques, elles peuvent se mettre ensemble pour coaliser leurs forces, pour être beaucoup plus forts et entraîner le peuple camerounais vers le changement auquel il aspire depuis plusieurs années déjà. Donc, créer un énième parti politique n'avait pas de sens solution. Pour moi. Vous avez essayé de tâter du terrain, SDF, l'UDC, l'UNDP, d'autres partis qui sont déjà connus? Non, on n'a pas... je n'ai pas approché ces partis politiques-là. Parce que je pense que ce sont des partis qui ont déjà... qui sont déjà installés, qui ont déjà une ligne bien affirmée et qui ont une approche idéologique et même politique bien affirmé, bien implanté dans le paysage politique. Il m'a semblé qu'il fallait renouveler l'offre politique. Et je n'étais pas sûr de pouvoir arriver au renouvellement de l'offre politique au sein de ces formations politiques traditionnelles qui ont déjà pris du pli et qui ont, où il y a aussi beaucoup de positions à défendre. En revanche, il me semblait que de jeunes partis politiques, et nous en avons contacté plusieurs, pouvaient se mettre ensemble, arriver sur la scène politique avec une offre politique différente, nouvelle, plus ambitieuse, peut-être beaucoup plus en phase avec les attentes des Camerounais aujourd'hui, qui, comme vous le savez, se sont détournés massivement de la politique à partir d'un certain moment, parce qu'il n'y avait plus de crédibilité, ils ne croyaient plus dans leur leader politique ou dans l'offre politique qu'on leur présentait. – Alors justement, il paraît qu'il y a 5 piliers sur lesquels vous, au niveau du MRC, vous vous appuyez. On parle d'un pacte républicain, pacte éducatif, de la jeunesse aussi, le pacte productif, pacte patriotique et stratégique avec la diaspora et le pacte de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le pacte social et de solidarité. Le premier pacte est le pacte républicain. Nous avons lancé ce concept très tôt
Et à un moment donné, d'ailleurs, il a été emprunté pour réunir un groupe de partis politiques autour d'une plateforme que l'on a appelée le Pacte républicain. Mais c'est nous qui avons essayé de promouvoir cette idée pour dire quoi ? Pour dire deux choses. Il a principalement deux piliers. Le premier pilier est essentiellement politique. C'est de construire un nouveau vivre ensemble au Cameroun, où les Camerounais se sentent plus proches les uns des autres, où il y a une véritable solidarité entre les Camerounais parce qu'ils se sentent tous filles et fils d'un même pays. On a trop passé le temps à diviser les Camerounais, construire des murs, des cloisons entre les Camerounais. Il y a un tribalisme effrayant, d'autant plus effrayant aujourd'hui qu'il est non seulement ouvert mais assumé publiquement. Et il me semble qu'on ne peut pas aller dans cette direction plus longtemps, que notre pays a besoin d'être mobilisé et soudé pour même relever le défi. L'a relevé lors de son discours récemment. Mais je me réjouis qu'il puisse nous rejoindre sur ce terrain-là, parce que nous attendions depuis longtemps qu'il, lui, en tant que chef de l'État, garant de la Constitution et des institutions de la République, donne un ton ferme sur cette question, sur ce qu'il ne faut plus dire au Cameroun, sur ce, je veux dire, en termes de division. Vous ne pensez pas qu'il a une responsabilité aussi dans tout ce qui se passe dans ce domaine ? Nous n'en sommes pas là, on y reviendra si vous voulez, mais pour l'instant, permettez-moi d'expliquer aux Camerounais ce que nous entendons donc par ce pacte républicain. Ce vivre ensemble est fondamental. Au lieu de passer le temps à opposer les Camerounais entre eux, il faut qu'on les prépare à relever le défi auquel notre pays est confronté et sera encore plus confronté demain, qui est le défi de la mondialisation. Nos adversaires, ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas la peine de croire que c'est le gars de l'Ouest ou du Nord ou du Centre ou de l'extrême Nord qui est votre. L'adversaire est à l'échelle mondiale. Et la compétition est à l'échelle mondiale. Il vient d'Asie, il vient d'Amérique, il vient d'Europe. Et nous devons préparer notre jeunesse à affronter ce défi-là et non pas notre. Vous le soudez comment cette fusion-là, les Camerounais, comment est-ce que vous la faites? C'est sur plusieurs plans. D'expliquer aux Camerounais que par le hasard, nous nous retrouvons sur un même territoire national qui s'appelle le Cameroun, mais que ce hasard-là a voulu que l'on soit ensemble. Ce n'est pas un choix individuel, mais justement, parce que ce n'est pas un choix individuel, il doit être construit ensemble. Je vais vous raconter une anecdote. Je faisais un cours en deuxième année de faculté de droit à l'université de Soye il y a quelques années, un cours de droit international. Et un de nos jeunes étudiants, qui sont toujours très braves quand ils sont en groupe, mais ils sont très très fragiles lorsqu'ils se retrouvent seuls, me lance comme un défi, peut-être même avec un certain dédain, quand tu es très fort, mais je ne t'aime pas parce que tu es Bamileke. Et je me suis interrompu 30 secondes. Je n'étais pas du tout fâché parce que je comprenais bien qu'il était victime d'un contexte social qui ne cessait de se développer. Mais j'ai interrompu 30 secondes le cours et je leur ai dit, je vais vous poser une question. Si la réponse n'est pas celle à laquelle je pense, alors j'aurais perdu mon temps. Je vais arrêter mon cours. Et je leur ai dit, posez la question suivante. Qui d'entre vous a choisi de naître là où il est né? Qui? Nous venons tous de quelque part. Et je suis fier de venir de là d'où je viens. Mais je n'ai aucun mérite d'être né là-bas. Ça doit donc ni être un motif de complexe de supériorité, ni un motif de complexe d'infériorité ou de mépris encore moins pour les autres. C'est un de mes bons amis qui me citait un proverbe bafia que j'ai traduit de la façon suivante. La naissance est comme une aube et un chemin. Nous avons beau faire, il nous précède. Le chemin nous précède. C'est-à-dire, avant de naître, nous découvrons que nous sommes nés quelque part. Et pourquoi ça doit être motif de différence entre nous? Et voilà donc mon action politique, M. Ngongan. S'il y a une des choses qui me mettent debout en politique, c'est celle-là. C'est que je suis incapable, même en faisant des efforts, croyez-moi, je suis incapable de juger quelqu'un par sa tribu uniquement. Je suis, même en faisant des efforts, j'arrive pas à être tribaliste. Alors, il nous reste 30 minutes. Il faut qu'on aille au pas de course, pour ce Kamto. On est au pacte républicain. Oui, le deuxième pacte, c'est le pacte jeune. Pour moi, c'est capital. Je vous parlais tout à l'heure de préparer la nation à affronter les défis. Et cette préparation passe par la formation de la jeunesse.
Et la formation à tous les niveaux, ne croyez pas que je pense uniquement aux jeunes étudiants. Je parle y compris de ceux qui sont sortis très tôt du circuit scolaire. Je suis atterré, M. Mwanga. Je suis choqué. Quand je vois que les jeunes Camerounais aujourd'hui n'ont pour seule perspective que la bière qu'ils commencent à boire à 9h du matin. Ma génération est allée à l'école dans l'espoir de fournir à la nation des cadres qui allaient prendre la relève, qui prenaient la relève de la première génération des années 60, y compris des Européens. Nous devons donner un motif d'espérance à la génération actuelle. Et ce motif doit être la construction du Cameroun. Et pour préparer cette jeune à la construction économique du Cameroun, nous avons passé 50 ans à faire la politique, il est temps de faire de l'économie. Et préparer les jeunes à affronter cela, c'est ouvrir les portes, tous les champs du possible, laisser que l'imagination des Camerounais, leur talent naturel s'exprime dans tous les domaines, les former, mettre en place des structures, des universités de sciences et de technologies. Et pour cela, il faut faire la réforme du système éducatif. Nous vivons sur un système éducatif qui est là depuis 1960. Et ce système éducatif visait à produire des cadres pour relever les administrateurs coloniaux. Aujourd'hui, nous avons besoin de cadres techniques talentueux pour l'innovation et la technologie et pour mettre le Cameroun en position de compétir avantageusement dans l'économie globale. C'est pour cela que la formation est capitale. Je vous donne un exemple simple. Vous avez aujourd'hui une multiplication des filières, soit dit professionnelles. Mais on ne crée pas des filières professionnelles comme ça au hasard. Les filières professionnelles doivent être adossées à des filières industrielles, à des filières de transformation, de création. Si on estime que dans 3 ans, nous allons pouvoir mettre en place tel type de filière industrielle avec des chaînes de valeur que cela peut entraîner, il faut dès à présent ouvrir les filières qui vont préparer les jeunes à mettre en place justement ces structures. Mais si vous n'avez rien en vue... Vous avez l'impression qu'ici, il n'y a pas cette planification. Mais non, il n'y a pas cette vision. Ce n'est pas une impression, c'est un constat absolu. Et je pense que j'ai regardé ces derniers temps des débats, y compris sur la chaîne concurrence à la vôtre officielle. Et tout le monde pouvait s'accorder là-dessus. J'ai vu un participant au débat, et pas des moindres, qui rappelait qu'il est membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, demander à un haut fonctionnaire d'un ministère en charge du secteur industriel, est-ce que vous pouvez nous citer des unités industrielles? Citez-en 10. Ah, il n'a pas pu citer, citez-en 5. Il pouvait continuer, citez-en 2, un peu comme dans la Bible, où on dit s'il y a simplement personnes qui sont enceintes, alors on sauve la ville et ce n'est pas venu. Non, cela veut dire que jeunes, il faut les former et il faut organiser les filières de production, les filières en chaîne de valeur, parce que les filières peuvent exister, mais si on les organise pas en chaîne de valeur, c'est-à-dire avec des unités de transformation de production qui vont créer de la richesse, on ne peut pas affronter malheureusement la compétition. Oui. Donc le troisième, c'est je suis obligé d'aller. Oui, bien sûr. Le troisième pilier, c'est le pacte productif. Et au fond, j'ai déjà amorcé cela. Le pacte productif, c'est que notre industrie s'est détricotée ou a été détricotée au cours de la dernière décennie. Et c'est le Syndustricam lui-même qui rappelle cela. Qu'entre 2002 et 2011, il y a un recul de moins 2 du secteur industriel. Et que sa contribution, c'est aujourd'hui de 11%, ce qui n'est pas grand-chose, au prix de produit national brut, au produit national brut ne correspond pas à ce que le Cameroun pouvait produire dans le secteur industriel, vu le niveau d'industrialisation que nous avions atteint à la fin des années 80. Donc il y a un vrai problème. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris une chose. La mondialisation est une compétition féroce où chacun doit utiliser toutes les ressources juridiques, toutes les ressources techniques, financières, enfin toutes les ressources possibles pour se faire sa place. Parmi ces ressources, il y a la nécessité d'utiliser les mécanismes juridiques existants, même dans le cadre de l'OMC, pour protéger notre secteur industriel national. Nous ne pouvons pas compétir avec des pays qui ont une industrie qui ont 30, 40, 50 ans, où les investissements sont amortis et où aujourd'hui ces industries font de la production marginale, c'est-à-dire c'est des bénéfices. Et donc le fait qu'on annonce aujourd'hui
la ratification des accords de partenariat économique. Vous êtes contre? Bah oui, c'est un sujet de préoccupation réelle. Parce qu'on ne peut pas dire on ratifie et puis on va mettre l'industrie camerounaise à niveau. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne nous attendra pas. Et parce que la mise à niveau de la filière industrielle prend un certain temps et beaucoup d'argent. Il fallait donc le faire avant. Et donc, quand vous voyez la Chine apparaître sur la scène et subitement occuper la deuxième position économique mondiale, c'est parce que pendant 30 ans, l'industrie chinoise s'est mise en place à l'abri des barrières, de toutes sortes de barrières, des barrières tarifaires, des barrières fiscales, mais également des barrières monétaires, c'est-à-dire qu'ils ont pu utiliser la monnaie également pour se protéger. Et ils ont pu effectivement mettre en place un programme économique qui leur a permis pendant 30 ans, M. Ngonga, pendant 30 ans de faire une croissance à deux chiffres. Il faut qu'on cesse de nous faire... Mais justement, professeur Kamto, est-ce que nous pouvons donc, avec la monnaie actuelle, c'est-à-dire que le franc CFA, qui est arrimé à l'euro par le biais évidemment de la France et autres, est-ce qu'on peut justement parvenir à ce que vous dites là, si on continue à vivre dans cet espace monétaire? Ça, c'est une question importante. C'est une question importante, c'est une question lourde. D'abord parce qu'elle fait appel à une réflexion approfondie et deuxièmement à des décisions qui sont des décisions à la fois techniques et politiques importantes. Il va sans dire, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que le franc CFA devient un problème pour les économies de la zone. Et je pense que le premier à le reconnaître, c'est le président de la République française lui-même. Dans le discours qu'il a prononcé à Dakar, il a dit il est temps justement que l'on réforme, que l'on réfléchisse à comment améliorer, disons, la réforme du franc CFA pour qu'il produise davantage pour les pays de la zone franc. Et donc, je suis d'ailleurs surpris que les pays africains de la zone franc n'aient pas saisi au bon la balle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire le procès de ils veulent, c'est un désamour avec la France ou avec qui que ce soit, dès lors que c'est le président français lui-même qui l'a reconnu. Nous devons contrôler notre monnaie. Absolument. La souveraineté monétaire est quelque chose de crucial. Il ne faut pas que l'on se voile la face. Si vous voulez avoir une monnaie commune, alors il faut avoir des économies d'un même niveau, avoir les mêmes politiques économiques. C'est ce qu'ils essayent de faire dans le cadre de l'Union européenne, avec les difficultés d'ailleurs que vous avez vues. Il a suffi justement que la politique économique de la Grèce ne soit pas au diapason des autres pays. Que la Grèce, d'après ce qu'on nous a dit, ait caché certaines statistiques, par exemple en matière fiscale et d'autres, pour que cela entraîne une crise monétaire grave dans la zone, dans l'Union européenne, c'est-à-dire dans la zone euro. Et donc, il me semble que nous ne pouvons plus aujourd'hui nous payer le luxe d'une monnaie dont nous n'avons pas le contrôle. Parce que même s'il faut maintenir le franc CFA, il faut voir dans quelle forme, sous quelle forme, sous quelle modalité et avec quel contrôle. Il y a une réflexion qui est engagée à ce sujet en Afrique de l'Ouest, au plus haut niveau des États là-bas. On n'a pas l'impression que la même réflexion suit au niveau d'Afrique centrale. Ce serait dommage si elle n'était pas engagée. Nous avons d'excellents économistes dans ce pays et d'excellents économistes de la diaspora qui sont originaires de notre zone, qui peuvent être mis à contribution. Et ce serait vraiment dommage que l'on, même si ce n'était pas déjà engagé en Afrique de l'Ouest, que l'Afrique centrale, dont d'ailleurs le franc CFA est déconnecté de celui de l'Afrique de l'Ouest, puisque le franc CFA de l'Afrique centrale n'est plus lié à celui-là, dont notre sort n'est pas lié à. On parle encore d'un éventuel rapprochement des deux monnaies. Pourquoi pas? Donc il est temps, si on ne l'a pas engagé, d'engager cette réflexion, elle est absolument indispensable. Alors, vous parlez aussi du pacte patriotique et stratégique avec oui, la diaspora. Avec la diaspora, oui. Parce que pour nous, dans le mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous pensons que la diaspora doit jouer un rôle crucial dans le décollage économique du Cameroun. Vous avez vu que moi, je ne parle pas d'émergence, non pas parce que j'ai peur du mot. Je crois que d'ailleurs, beaucoup de pays... Vous n'y croyez pas ? Non, parce que le mot émergence, il est beau, mais il ne dit rien. Parce que lorsque vous n'avez pas des données qui sont des indicateurs qui permettent de vérifier si on a atteint l'émergence ou pas. Quand est-ce qu'on considère qu'on a atteint l'émergence? Donc il faut qu'on nous donne des éléments. On dit, nous serons émergents quand on aura atteint tel objectif. Et à ce moment-là, je peux l'utiliser avec beaucoup plus d'aise. Mais je préfère parler à l'heure actuelle du décollage économique ou de nouveaux pays industriels, parce qu'on connaît les éléments pour dire qu'un pays est un nouveau pays industriel ou qu'il a décollé économiquement. Donc je disais,
que la diaspora doit jouer un rôle capital en la matière. Pourquoi? Parce que nous avons la chance d'avoir une diaspora de qualité. Parce que jusqu'à une période récente, les Camerounais allaient à l'étranger pour faire des études, et généralement dans des domaines de pointe. Ce sont des gens qui sont habitués à se frotter à la compétition internationale, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas de certains de nos compatriotes qui sont talentueux et compétents, mais qui n'ont pas cette chance. Et donc, il me semble que la diaspora ne doit pas être confinée à envoyer des Western Union aux familles, même si c'est très utile. On peut et on a le droit d'en attendre plus, c'est-à-dire qu'ils nous apportent leur savoir-faire, leur connaissance. On a vu avec un certain nombre de pays d'Afrique du Nord. Si vous voyez l'essor technologique d'un pays comme le Maroc aujourd'hui, sa diaspora y est pour beaucoup. Certains d'entre eux qui sont des enseignants ou des chercheurs dans des grands laboratoires des pays du Nord ont créé des doubles de ces laboratoires dans leur pays et travaillent en collaboration. Et donc ça fait émerger une pépinière de chercheurs au niveau national qui est au niveau de la concurrence internationale. Et c'est de cette façon-là que les savoir-faire aussi se transfèrent. Justement, la diaspora qui réclame l'application, la réforme déjà du code de la nationalité, l'application de la double nationalité, est-ce que vous êtes favorable à cette disposition? Oui, mais, j'ai dit oui, mais, parce que c'est une question complexe. Je pense que lorsque la question ne concerne que nos compatriotes qui sont Camerounais, il n'y a aucun problème. La double nationalité devrait être établie dès le lendemain, si possible. Mais le problème, c'est que c'est un problème global. Dès lors que vous dites la double nationalité, il y a aussi des non-Camerounais, ou si vous voulez, des étrangers qui peuvent acquérir. Oui. Voilà, et donc acquérir la double nationalité. Et parfois, le problème se pose à ce niveau-là, parce que, vous savez, tous les pays du monde, et il ne faut pas croire que c'est simplement le Cameroun, tous les pays du monde ont à cœur de s'assurer que les étrangers qu'ils intègrent, qui deviennent leurs nationaux, ont un vrai attachement à leur nouveau pays, disons au pays dont ils deviennent le national. Et donc, la double nationalité, si elle se traduit par double ou multiple allégeance, en termes de fidélité, peut poser des problèmes. Et je peux comprendre que parfois les autorités ne soient pas à l'aise pour trancher cette question. Donc, pour me résumer... Quand vous étiez au gouvernement, par exemple, vous n'avez pas engagé est-ce qu'il y a eu des discussions au moins à ce niveau-là? Les discussions sont en cours au sein du gouvernement depuis longtemps, et je pense que elles progressent. Je pense que, je vous dis, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le problème de la double nationalité ne soulève pas de difficultés en ce qui concerne les Camerounais, c'est-à-dire les Camerounais, j'allais dire d'origine, c'est ceux qui sont Camerounais. Je crois que le gouvernement n'aura aucune difficulté particulière à admettre qu'il puisse avoir... Est-ce qu'on ne peut pas avoir une disposition, professeur Kamto, hein, qui spécifie que cette double nationalité s'applique pour les Camerounais d'origine qui, eux, souhaiteraient, pour des raisons économiques et autres, bénéficier de ce statut-là? Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que... C'est une disposition. Je pense que la loi en la matière... Il faut y impliquer toutes les compétences, y compris celles qui ne sont pas nécessairement du RDPC ou qui ne sont pas nécessairement du gouvernement. Vous êtes prêt à apporter votre contribution à un débat comme celui-là? Il me semble que si on peut être utile sur une question comme celle-là, dans la mesure où ça peut aider beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger, on peut contribuer. Je vais vous dire, il y a des pays comme l'Inde qui ont des formules beaucoup plus complexes avec plusieurs étages, vous comprenez, dont on peut parfaitement s'inspirer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question. On peut aider à formuler une loi qui permette de préserver les intérêts des nationaux. Voilà, etc. Ouais. Oui, et donc, le dernier pacte, c'est ce que nous appelons au MRC le pacte de solidarité, le pacte social et de solidarité. Le pacte social, parce que nous sommes dans un pays où les gens sont dans la souffrance. La jeunesse est délaissée, abandonnée, sans perspective. Elle se détruit dans l'alcool. Elle n'a pour seul horizon l'aventure de l'étranger, aller en Europe, mourir dans le désert du Sahara ou abîmer sa vie dans la Méditerranée. Il faut qu'on lui donne une nouvelle perspective. Mais solidarité également parce que la femme doit retrouver dans notre pays un statut beaucoup plus important dans la vie publique. Et
quand je dis la vie publique, ce n'est pas dans le secteur public. Je dis vie publique, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Et ne doit pas être simplement confiné à un rôle d'applaudissement à l'occasion de meetings ou de sorties de telle ou telle personnalité. Je crois qu'elle a beaucoup à offrir. La femme camerounaise est travailleuse et talentueuse. Ça, c'est le côté social. Mais je voudrais mettre un accent plus particulier sur la santé. Santé, parce que, franchement, sans vouloir créer de la polémique inutile, nous avons beaucoup de retard sur la santé, comme sur beaucoup de choses d'ailleurs, mais quand on voit que de façon récurrente depuis plusieurs années déjà, nous n'arrivons pas à juguler le choléra dans la partie septentrionale du nord du pays, et même parfois ici dans la ville de Douala, alors qu'on connaît le cycle, on connaît la source, les origines de cette épidémie, qui revient périodiquement. C'est inacceptable, c'est une maladie essentiellement hydrique, c'est une maladie de la saleté et de manque d'eau, et je crois que le gouvernement est en mesure de trouver des solutions si jamais il voulait s'y pencher. Problème social, parce que nous avons dans notre pays une catégorie sociale à laquelle on ne pense pas toujours souvent, mais que nous prenons très au sérieux, à laquelle nous attachons une grande importance au MRC, sont les personnes vivant avec un handicap. Les édifices publics devraient désormais être conçus en intégrant, par exemple, les personnes qui ont un handicap physique, qui ne peuvent pas, qui sont sur des chaises roulantes. Ce n'est pas un luxe, ce sont nos compatriotes. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes potentiellement des handicapés puisque nous empruntons des moyens de locomotion, et dans un accident nous pouvons nous retrouver demain handicapés moteurs. Et donc il faut que sur le plan social, des mesures spécifiques, mais pas seulement des mesures, mais des actions spécifiques, des actes concrets soient posés en leur faveur. Je parlais tout à l'heure de la santé. Bien entendu, on peut annoncer l'ouverture prochaine à Douala de tel hôpital, etc., de grands hôpitaux. Mais encore une fois, nos régions sont abandonnées. Très peu sont les hôpitaux régionaux qui ont les plateaux techniques minimum nécessaires. Il n'est pas normal que dans notre pays, chaque fois, on soit obligé de transférer les malades à Yaoundé ou à Douala pour leur assurer une survie. Et donc, il y a cela. Mais la solidarité va pour nous beaucoup plus loin. C'est la solidarité entre les Camerounais des différentes régions. Nous voudrions au MRC cultiver le sentiment national qui veut que lorsqu'une partie du pays est victime d'une catastrophe naturelle, l'ensemble du pays se sente concerné. Quand il y a des inondations dans l'extrême nord, ce n'est pas une affaire des populations de l'extrême nord, ça doit être l'affaire de tous les Camerounais. Et que nous apprenions aussi, nous le souhaitons en tout cas, par exemple à organiser une quête nationale dans toutes les régions pour assister ces populations. Professeur Kamto, si vous êtes élu demain, quelles sont les priorités que vous devez absolument mettre en place dans les mois à venir, si vous êtes élu président? Je vais vous dire une chose. Je n'aime pas répondre à ce genre de questions parce que dans un pays où tout est urgent, si vous dites vous commencez par le social, c'est comme si vous mettrez en attente, par exemple, le secteur de l'éducation. Si vous dites que vous commencez par le secteur agricole, c'est comme si vous aviez oublié le secteur industriel. Vous faites rien alors ? Non, non, il faut un programme de gouvernement. Nous n'en sommes pas là. Nous avons une vision. Ce que j'ai décliné là, c'est notre vision du Cameroun. C'est notre projet de société. Maintenant, quand viendra le moment de la campagne, si on doit faire une campagne électorale, qu'elle soit présidentielle ou d'autre nature, on fera un programme de gouvernement chiffré et avec des engagements précis sur ce qu'on fera. Il est beaucoup trop prématuré aujourd'hui de me lancer dans ce genre de considération. Alors justement, mais une des choses urgentes à faire dans notre pays, c'est de prendre très au sérieux la question des jeunes. C'est une bombe à retardement. Nous dansons sur un volcan. Et il ne faut pas que nous attendions que ça explose pour continuer pour refaire ce qu'on a fait en 2008. Et quand j'ai dit en 2012 que le taux de croissance actuel du pays, qui est de 4,7%, ne nous permet pas d'atteindre, même si nous n'en savons pas le contenu, l'émergence en 2035. Cette année, nous avons fait 4,7%. Dans son adresse,
Le président de la République a dit 4,8. On ne va pas chipoter sur 0,1%. Mais c'est dérisoire. Nous n'atteignons même pas la moyenne continentale. Or, tout le monde sait, pour atteindre les objectifs millénaires pour le développement, c'est 7%. Mais pour entrer dans le club des pays qui sont en croissance rapide et qui vont faire le décollage économique, il faut faire 8% en transition rapide pour faire une croissance à deux chiffres. Ce que la Sierra Leone a fait en 2010 en faisant 21% de taux de croissance. Ce que le Tchad est en train de faire aussi. Ce que le Tchad est en train de faire. Ce que la Guinée, ce que la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai entendu. Qui sort de guerre. Oui, mais encore, parce que certains disent, oui, mais vous savez, quand un pays sort de guerre, on injecte beaucoup d'argent pour le relever. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sort de 10 ans de crise. Mais la guerre, en termes de destruction, n'a eu lieu vraiment que les dernières semaines et ça n'a pas eu un impact. Ça n'a pas affecté, selon vous, les structures. Voilà. Donc, quand la Côte d'Ivoire fait 9,3% de taux de croissance, c'est un taux de croissance réel. Qu'il faut prendre au sérieux. Réel. Parce qu'ils investissent dans l'industrie. Je vais vous dire, la Côte d'Ivoire qui contrôle 40% du marché du cacao, dont leader mondial, a décidé dès l'année prochaine, et c'est en construction, construire une usine de transformation et de fabrication de chocolat. Donc arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt. Nous ne faisons pas assez. Comment dites arrêtons pas de... Oui, mais le président a fait le même constat. Sauf que lui, il est président de la République, il est aux affaires, moi je ne suis pas. Un président de la République, ce que j'ai retenu du discours du chef d'État, et ça m'a sidéré, c'est deux choses. D'une part, les contradictions. Le président de la République dit, on a fait 4,8% de taux de croissance au lieu de 6,1%, c'est grave. Quand vous annoncez 6,1 en termes économiques, posez la question à n'importe quel économiste et que vous faites du 4,8, la marge d'erreur est beaucoup trop importante pour qu'on dise que c'est rien. Il dit, ce n'est pas dramatique, j'utilise son mot, ce n'est pas dramatique. Mais plus loin dans son discours, il dit, il faut faire des efforts, il faut mettre en place un plan d'urgence. Mais si ce n'est pas dramatique, on n'a pas besoin d'un plan d'urgence, M. Ngongan. Il y a donc un problème. Le chef de l'État lui-même fait le constat. Et ça, c'est le deuxième point, qui pour moi est un aveu d'impuissance. Lorsqu'il dit... On a ceci, on a les ressources, on a les... Qu'est-ce qui nous manque? C'est un peu comme s'il nous disait, à nous, Camerounais, voyez, mes chers compatriotes, j'ai tout fait et rien ne marche. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit en tirer les conséquences. C'est-à-dire? Il est assez grand pour le savoir. Non, mais dites-moi, vous suggérez-lui quelque chose? Mais je n'ai pas lui suggérer. Nous venons de sortir d'une élection où il a été reconduit en 2011 et les Camerounais ont redonné un mandat de 5 ans à son parti. Donc, je ne vais pas lui demander de partir. Ce serait... Moi, je suis respecté. Dieu de la légalité des institutions, je ne vais pas lui demander. Mais vous, à sa place, vous ferez quoi? Non, mais moi, à sa place, je n'aurais pas attendu d'en arriver là. Alors, justement, là, on parle de... tout le monde est dans l'expectative, on parle d'un gouvernement qui doit être créé. Ça fait quand même 3-4 mois qu'il y a eu des élections. Logiquement, dans la pratique républicaine, il devrait y avoir quand même un changement. Le président lui-même a admis que ça ne va pas du tout. Cette taille de gouvernement, déjà, en termes de meilleure coordination, comment est-ce que je vais vous dire franchement, cette affaire du gouvernement ne m'intéresse pas, parce que c'est, je dirais, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire du président de la République, de sa majorité et j'allais dire de son parti. Ça m'intéresse en tant que Camerounais, parce que je voudrais que les choses aillent mieux, et donc un gouvernement qui peut nous amener le plus loin possible. Mais ce n'est pas à moi de décider à sa place. Il a été élu par les Camerounais pour exercer ses fonctions. Je crois qu'il a l'expérience nécessaire et saura quoi faire. En revanche, je pense que ce qui est extrêmement important du point de vue institutionnel, c'est que l'on ne peut pas comprendre que lui qui décrit l'inertie tous les jours donne l'impression d'être la source de l'inertie. Lorsqu'on fait une élection parlementaire dans un pays, cela a des conséquences gouvernementales. On n'a pas besoin d'être en régime parlementaire. Pourquoi? Parce que les élections parlementaires, ce sont des élections qui permettent un renouvellement de la légitimité. Donc, vous avez donc une nouvelle légitimité qui doit se traduire par une nouvelle équipe. Même si c'est la même, vous devez prendre un acte pour la confirmer. Même si c'est la même équipe gouvernementale. Vous dites, je vous... maintient ma confiance dans la légitimité que les urnes viennent de donner à mon parti politique en me donnant la majorité à l'Assemblée nationale aux deux chambres, je vous la transmets parce que lui, il est investi de la légitimité populaire puisqu'il est élu au suffrage universel pour vous permettre donc de mener librement votre action.
faute d'agir et d'agir avec diligence, vous voyez vous-même, nous connaissons notre pays, tout le monde est dans l'expectative. Ça paralyse l'action gouvernementale, plus personne ne travaille, tout le monde attend et ça n'est pas bien pour le pays. Est-ce que vous seriez intéressé de revenir au gouvernement pour apporter votre contribution à l'édifice? Non. Je veux dire, j'irai au gouvernement si les Camerounais m'envoient au gouvernement. Et les Camerounais ne peuvent m'envoyer au gouvernement maintenant que je suis à la tête d'un parti politique qu'en me donnant une majorité. Là, vous venez d'avoir quand même, vous avez réussi pour cette première double élection. Vous avez eu un député, vous avez eu quelques... Alors, vous avez dit qu'on a volé votre victoire. Vous avez déclaré que vous avez... Oui, j'aime pas les termes voler et tout. Ce que je dis, c'est que les résultats du MRC ne reflètent pas la confiance que les Camerounais ont placée en ce parti partout dans les différentes circonscriptions où nous avons été candidats. Donc, j'ai dit, peut-être ce sont des synonymes, j'ai dit, on nous a spoliés de notre victoire. Parce qu'en effet, nous avons gagné, et très clairement, dans un certain nombre de circonscriptions, dans le Fundi, en ce qui concerne les législatives, au pire, nous devions partager les sièges avec le RDPC. Nous avons gagné dans un certain nombre de municipalités dans Yaoundé, de façon certaine, en ce qui concerne Yaoundé 2. Nous avons gagné dans des municipalités comme celle de Baham, dans les Hauts-Plateaux. Nous avons gagné dans une municipalité comme celle de Monatélé. Nous avons gagné à Duc dans... Vous avez les chiffres. Nous avons les chiffres. Il faut noter ceci, M. Ngonga. Quand on dit qu'on a gagné, si vous prenez les chiffres au final, c'est-à-dire celles qui sont sur les PV, évidemment, vous allez conclure que le MRC raconte des histoires. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que nous disions que nous avons gagné? C'est que la loi dit qu'il y a un certain nombre d'irrégularités qui, lorsqu'elles sont commises dans des bureaux de vote, doivent entraîner l'annulation des bulletins, des élections dans ces bureaux de vote-là. Donc nous partons de là pour dire si les fraudes établies de façon évidente, je vous signale au passage, que nous avons, alors que certains nous ont attaqués dans les journaux, y compris Delecam, en disant, oui, voilà, nous faisons des déclarations, mais nous ne rapportons pas la preuve. Nous avons cru de notre devoir d'apporter ces preuves d'abord devant les tribunaux qui étaient compétents pour connaître du contentieux électoral. Une fois que nous avons fait, nous avons ensuite adressé ces preuves à toutes les autorités de la République compétentes en matière électorale, à commencer par la plus haute autorité de la République, puis à Elecam. Il n'y a d'ailleurs jamais eu, soit dit en passant, même un simple accusé de réception de nos correspondances. Et non seulement nous avons rapporté la preuve, et ces preuves étaient les procès-verbaux des bureaux de vote, mais également les procès-verbaux des commissions départementales. C'est-à-dire qu'ils consignent en disant il y a eu des irrégularités dans tel bureau de vote. Et souvent, ils disent, mais nous ne pouvons pas annuler parce que nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Donc, c'est établi de façon... Et si on avait annulé cela, il n'y aurait aucun doute que nous avions gagné dans les différentes circonscriptions que je viens de citer. Ouais. Permettez-moi de terminer simplement sur ce point en disant le MRC ne s'est pas contenté de faire le constat de fraude. Le MRC a fait des propositions concrètes sur la réforme à faire en ce qui concerne le code électoral, donc réforme législative, voire constitutionnelle, mais également réforme pratique et technique pour améliorer notre système électoral et pour que notre démocratie progresse. En disant cela, ce n'est pas un défi que nous lançons à qui que ce soit. On peut donner l'impression qu'on ne nous a pas entendus. Mais si le chef de l'exécutif, le président de la République, était ouvert à cette démarche, je pense que ça le grandirait, ce ne serait pas un signe de faiblesse, il s'en sortirait grandi plutôt, à mon sens. Parce que quand on dit qu'on veut la paix dans notre pays, il faut créer les conditions de la paix. Et créer les conditions de la paix veut dire respecter le choix des électeurs camerounais. Nous voulons le changement dans la paix et ce changement ne peut arriver que par les urnes. Chaque Camerounais détient entre ses mains la possibilité d'obtenir le changement. Le 22 octobre 2013, conférence de presse, vous dites le pouvoir est désormais placé devant un choix crucial pour l'avenir politique du pays. Engager très rapidement des discussions politiques sérieuses en vue de doter notre nation d'un système électoral crédible garantissant le respect scrupuleux de l'expression de la volonté populaire, ainsi que les engagements internationaux de notre pays ou procéder à l'achat massif des armes pour affronter le peuple. Dans la matinée du jeudi 7 novembre, vous avez été convoqué par le DGSN, M. Barangele, qui vous a donné un avertissement solennel. Oui. Racontez-nous ce qui s'est passé, pour terminer. Bien. Après la conférence de presse, qui était...
faite sur un support écrit. Donc, mon texte était écrit, je l'ai communiqué à la presse. Il n'y avait donc pas lieu à interprétation malveillante ou à mauvaise compréhension du texte. Je l'ai dit et je l'ai répété. Plus jamais nous n'accepterons que, et les Camerounais n'accepteront, qu'on change leur choix. Et donc, nous pensons que dans une démocratie qui se construit, dans un pays qui est attaché, comme nous le sommes nous-mêmes profondément attachés à la paix, la seule façon d'éviter justement les échauffourées, c'est d'améliorer le système électoral, de corriger les dysfonctionnements. Et c'est au gouvernement qui a le pouvoir législatif, mais également le pouvoir exécutif, de rendre cela possible. Parce que nous, partis politiques de l'opposition, nous pouvons faire des propositions. Mais non seulement nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale, vous savez que la pratique camerounaise n'accepte pas des propositions de loi. Donc le gouvernement ne fait passer que les lois qui viennent de lui-même. Donc nous pensons qu'il faut le faire. Parce que s'il ne le faisait pas, aux prochaines élections, les Camerounais n'accepteront pas. Nous avons passé notre temps à Yaoundé à calmer nos électeurs. Il y en a qui voulaient venir en masse à la Cour suprême. Il y en a qui voulaient marcher. Et je l'ai dit à M. le délégué général de la Sûreté nationale. Il vous a menacé? Je ne dirais pas ça. Bon, il est dans son rôle. Moi, je dis toujours aux gens, il faut, les policiers font leur travail, y compris ceux qui sont du renseignement. Donc, si c'est normal dans un État que tout le monde fasse son travail. Si nous étions en capacité de gouverner le Cameroun aujourd'hui, nous aurions nous aussi besoin de la police et de ces informations. Donc, ça ne m'émeut pas outre mesure. Sauf que, comme je l'ai dit à cette occasion, ce n'est pas nous qu'on devait convoquer, ce sont ceux qui sont à l'origine des fraudes et qui, par ces actes absolument inqualifiables, mettent la paix en danger, mettent l'ordre public en péril. Et nous disons, comme disait mon excellent ami Charlie Gabriel Mbok à l'époque, vous dites à un malade qu'il a la fièvre, qu'il a 40 degrés de fièvre, au lieu de se précipiter pour chercher un médecin ou acheter des médicaments, il casse le thermomètre. Et ça règle pas le problème, il aura toujours la fièvre. Quand nous disons qu'il y a que le code électoral pose problème, que la pratique électorale pose problème, que tout ne s'est pas bien passé, il faut qu'on corrige, on nous dit que nous appelons à la guerre. Non. Ce sont ceux qui créent ces conditions qui veulent la guerre au Cameroun. Ce n'est pas nous. Quand nous avons dit que nous voulons le changement dans la paix, nous n'avions pas une arme sur la tempe. C'est un choix libre, assumé, parce que nous sommes profondément attachés à la paix. La paix est la première composante de la devise du Cameroun. C'est paix, travail, patrie. Et ce n'est pas par hasard si les fondateurs de cette nation ont mis cela en avant. Mais il faut que les gens comprennent, les Camerounais n'accepteront plus que l'on continue à se maintenir par des fraudes électorales. Ils n'accepteront plus. Professeur, dernière question. Tout à l'heure, on a parlé du régime de M. Aïdjo. Vous avez vous-même dépeint ce régime en disant que c'était un régime autoritaire, très très dur. Il y a une rencontre à Garoua le mois prochain pour exiger plus ou moins bien voir les conditions de rapatriement de la dépouille du corps du président Aïdjo qui est enterré au Sénégal depuis 1989. Est-ce que vous serez à cette rencontre à Garoua? J'ai été invité et s'il n'y a pas d'autres événements qui m'en empêchent, je m'y rendrai. Pour une raison simple, M. Ngonga, je pense que d'abord, le président Aïdjo a été un autocrate indiscutablement parmi les plus durs de sa génération à l'époque. Peut-être pas autant que, et encore, j'allais dire autant que les Sékou Touré, mais il a été assez violent parfois, alors même qu'il pouvait faire l'économie de la violence. Et avant d'avancer sur cette question, je voudrais ici m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous ceux qui ont été victimes de ce régime qui a été brutal, parfois sans aucune nécessité. Je voudrais rendre hommage aux survivants qui ont, à défaut de pardonner, su garder leur calme et éviter la vengeance parce qu'ils auraient pu procéder autrement. Beaucoup de familles, y compris la mienne. Et c'est pour cela que je me sens d'ailleurs à l'aise d'y aller
ont perdu des gens ou en tout cas ont eu des gens qui ont été victimes de ces violences-là. Mais une fois que j'ai dit cela, je dis que Ahmadou Ahidjo a été le premier président de notre pays. Il appartient donc à l'histoire de notre pays. Et l'histoire d'une nation n'est pas faite que, j'allais dire, des pages glorieuses ou des personnes les plus estimées. Il a, d'ailleurs dans des conditions qui n'étaient pas faciles, il faut lui reconnaître cela aussi, essayé de jeter avec un certain nombre de personnalités les bases de l'État du Cameroun dont nous sommes fiers aujourd'hui. Et si on devait nous reprocher d'aller à Maroua et de demander que l'on réfléchisse ensemble pour passer à la phase du pardon et ramener sa dépouille, parce qu'il fait partie de ce que j'ai appelé le patrimoine national. Le patrimoine national, dans un patrimoine, vous pouvez trouver des actifs comme du passif. Donc tout cela fait partie de notre patrimoine national. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que, oui, mais même avec le président actuel, qui a été un de ses plus proches collaborateurs, est-ce que donc on doit lui imputer tout ce qui s'est passé pendant la période de Ahidjo? On aurait pu dire d'ailleurs qu'il ne pouvait pas être sans savoir tout ce qui se passait. Est-ce que nous allons lui imputer cela? Donc je crois qu'il faut que nous dépassions un peu ce manichéisme qui veut qu'on dépeigne certains en noir et d'autres en blanc. Je pense que la génération d'Ahmadou Ahidjo a, dans des conditions difficiles, souvent avec brutalité, mais aussi avec un certain patriotisme, essayer de faire ce qu'il pouvait faire pour construire notre pays. On ne gommera pas les violences et les victimes. La nation camerounaise doit voir, examiner, et c'est pour moi la démarche de Garoua ira dans ce sens, car pour nous c'est simplement une première étape. La thématique que je développe personnellement et d'autres, c'est penser les mémoires plurielles blessées. Penser avec P-A-N-S-E-R. Donc il faut penser les blessures. Penser les mémoires plurielles blessées, donc y compris et à commencer par les victimes. Et ensuite, donc, on pourra aller vers le rapatriement si les autorités en conviennent. Ce n'est pas normal de dire que c'est une question, c'est sa famille, non. Si le président actuel, le président Biya, dans je ne sais pas moi combien de temps quittait ce monde à l'extérieur, et que quelqu'un qui le remplacerait disait que sa dépouille ne viendrait pas, ne rentrerait pas au Cameroun, est-ce que nous l'accepterions? Non, moi personnellement, je ne l'accepterais pas et je n'en serais pas fier. Donc c'est ça, c'est la perspective historique de notre passé, de notre histoire qui est globale et que nous devons assumer en entier. Merci professeur d'avoir accepté d'être notre invité durant ces deux heures. J'ai eu beaucoup de réactions, mais je ne pouvais pas, en même temps ça aurait été compliqué. J'ai essayé d'intégrer quelques questions que j'avais reçues avant l'émission pour que vous puissiez répondre. Et merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Je vous remercie. Et je vais donner rendez-vous donc à la rediffusion dimanche à 20h. Et on se retrouve bien sûr pour une émission Carte sur table mardi prochain, 22h. Bonsoir. Merci.